Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de The Long War 2 de XCOM 2. On avait lancé deux missions avec pas mal d'équipements et on avait défendu un refuge de rebelles. On avait perdu pas mal de monde au refuge, hein, à la gestion de la résistance. Mais ils étaient plus que 4. Ah, par contre, en Afrique de l'Est, où on a laissé MJ. Enfin, on a notre premier, hop, on a notre premier rebelle qui est arrivé. On va mettre en recrutement. Donc oui, en ayant simplement un gars tout seul, on peut se mettre à recruter. Donc, hein. Donc ça fonctionne très très bien. Dissimulation 0, on a toujours notre CEM. Ça nous a coûté cher de garder la CEM sur le refuge d'Afrique de l'Ouest. On va, pardon, hop, mettre tout le reste au recrutement. De recrutement, renseignement, ressources. Je crois qu'on va tout mettre au recrutement parce que là ils sont plus de 4, il faut vraiment qu'on recrute. Ça risque de remettre des anonymes dans le tas, mais il faut qu'on ait du monde, hein. Plus que ça, ne serait-ce que pour les ressources ou autre. Donc là, en Afrique de l'Ouest, de toute façon, on ne veut plus faire de mission là-bas. Donc on les verra pas, mais elles continueront à passer discrètement. L'OVNI pourrait passer comme ça, si jamais, parce qu'il y a une mission OVNI qu'on n'a pas faite, qui va bientôt arriver, et elle pourrait passer en Afrique de l'Ouest, qui serait tragique pour nous. Alors, armure mobile, 3 jours. Bidule qui finit son entraînement. Gilou aussi. Protocole écran bleu qui arrive. L'armure mobile. Changement de capacité pour Wolver. Et la salle de décryptage dans 9 jours. C'est ça qu'on attend en fait, hein, je crois, la salle de décryptage. On va bien voir. Hop. On a aussi à libérer la région d'Advent. Donc faut qu'on focus les missions de libération. On va aller sur place pour faire Nous passer du mettons les temps caves à sur l'endroit où il y a l'Afrique les du deux missions. On Sud, m'a dit qu'il y avait 7h13. un avantage à le faire. Donc je me doutais un peu qu'il y avait un truc comme ça. On va le faire à l'endroit où on a nos missions. Alors, agressivité pour Bidule. Oh, est-ce qu'il avait besoin d'être plus agressif? Je sais pas. Hein. Alors, on va voir si on lui rajoute une capacité. Bombardement, vous pouvez lancer ou tirer des grenades 2 cases plus loin. Ah, c'est cool ça. Tir au pistolet sur une cible, l'attaque ne coûte aucun point d'action. Je vais pas l'envoyer en entraînement. C'est vrai que bombardement ça peut être bien, mais 12 jours. Bidule a manqué à sa team depuis un petit moment là. On a besoin d'un chef qui soit opérationnel. Vu qu'on a Gilou toujours en entraînement, son arme on lui remettra à son patator, hein, quand on aura l'occasion. Voilà. Hop. Par contre, on peut envoyer quelqu'un d'autre dans le CCA. En attendant. Hop. Bidule. Bah, Eponite. Eponite, on l'a beaucoup utilisé, autant qu'on commence un peu à lui monter. Alors, noyau explosif, les grenades explosives font un point de dégâts supplémentaire. On utilisait l'incendiaire actuellement avec Epo. Donc, c'est pas mal de lui mettre ça. Mais est-ce qu'on va toujours utiliser des grenades? Je suis pas sûr. Hein. La visée, la précision défensive améliore la visée de 20 pour le premier tir du prochain tour. Ça reste dans le concept d'Eponite, le snipe. Donc par exemple, mouvement, position défensive, ça elle est sûr de pas prendre de coups. Et derrière, on a 20% de toucher en plus pour le tour d'après. Le premier tir seulement. Ce qui est dommage vu qu'elle en a deux, mais ça fait quand même 20%. C'est pas nul, hein. Et le premier tir, elle n'a pas les bonus de verrouillage et de pupille réactive. Donc elle a plus 20% au premier tir avec ça. Et au second, elle a 20% à cause du verrouillage plus pupille. Donc en fait, ça pourrait être sympa quand même. Pour avoir plus 20% en permanence après une position défensive. Après, tirer une fois sur chaque cible visible avec votre pistolet, ça donne envie de donner un pistolet. Les grenades explosives font un dégât supplémentaire. Allez, ça prend que 4 jours, on va prendre visée. Bon, je sais pas si je l'utiliserai énormément, mais vu qu'elle aura la capacité, peut-être qu'on utilisera légèrement plus la position défensive, qui est un très très bon outil que j'utilise probablement pas assez. Mais quand vous avez 4 joueurs, il y en a un qui vient de prendre un tir, bah pourquoi pas le mettre en position défensive? Les aliens vont se mettre à tirer sur les autres pendant au moins le tour où vous l'avez fait, et c'est vraiment pas mal. Ça peut vous faire gagner un tour complet s'ils sont mal placés. Voilà. On va aller passer du temps. Je crois que c'est bon pour l'entraînement.
Gilou, il a appris ta critique. Donc, on va aller voir le soldat si jamais on peut lui apprendre une autre compétence. Alors, repli ou bloqueur? Repli, c'est une compétence que j'ai trouvée bizarre, que j'ai testée durant mon premier run héroïque, je crois. Tu donnes un ordre à un gars et il fait comme une tentative de fuite. Donc même s'il a déjà agi, tu peux au moins le replier. Il a une tendance à se mettre à couvert, mais c'est totalement aléatoire. Je trouve ça vraiment nul comparé à bloqueur, qui est empêcher les renforts d'arriver. Donc je vais même pas te demander. C'est bloqueur. Pourquoi ça a fermé? Ah, parce que je pouvais pas t'envoyer. C'était l'officier. Ok, ce sera bloqueur de toute façon, même si t'as pas le niveau pour que je t'envoie là. Alors, est-ce qu'il l'a envoyé? Ranger réorientation. Entraînement, Gilou. Ok, ouais, c'est ça, 8 jours. Ouais, dès que t'as bloqueur, tu sers pour toutes tes missions pour empêcher des renforts, ça sera comme avec Bidule. Donc, très bien. En attendant, ça sera Bidule qui prendra en charge les opérations à venir. Alors là, faudrait pas qu'on en ait avant qu'on finisse, parce qu'il risque d'y avoir de l'OVNI dans le tas. Ok, c'est pas l'OVNI. 15 heures pour la faire en Afrique de l'Ouest, on oublie, hein. Les missions en Afrique de l'Ouest, on ne peut plus les faire, quasiment. Protocole écran bleu, magnifique. Alors, on va signer un nouveau projet. Alors, nouveau projet du terrain d'essai, grenade IEM. Munitions écran bleu. Et est-ce que ça nous coûte des noyaux? Ouais, ça nous coûte des noyaux qu'on n'a pas envie de dépenser et les sous qu'on n'a pas. On en a trois, on pourrait en dépenser un, je pense. Assez aisément. L'épave de CEM, un noyau. Et les mines cérébrales, un noyau sans ressources. Mine cérébrale, c'est bien de l'augmenter, hein. Ça augmente aussi la capacité de piratage du gantelet. Et tu peux faire mine cérébrale sur n'importe qui, pas que sur les pas sur les sergents et les codex. Pas que sur les sergents, en fait. Ok. On a encore beaucoup de blessés, je trouve, hein. Pourtant, je fais passer du temps, mais probablement pas assez. Hop. Ah, l'émission va arriver. Ces découvertes s'avéreront sans doute cruciales pour nos efforts, commandant. Armure mobile. Alors, très bien. Ça nous donne l'armure en araignée et un prototype a été ajouté à l'inventaire. Donc, on en aura une. Ça, c'est génial pour nos snipers. Alors, recyclage de noyaux d'hélérium. Non. Recyclage, recyclage, démantelage, tout ça c'est des actions, hein, c'est pas des recherches. D'ailleurs, ils auraient dû le mettre. Une petite différence. Démanteler une épave, recycler, recycler, démanteler, recycler, recherche de base. Alors, on avait commencé, on va finir. Hein. Hop, reprendre là. J'ai cliqué. Ok. Oui, nous reste Cette que 8 jours. technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Les deux qu'on pouvait Je vous faire, enverrai elles un étaient encore en rapport rouge à dès que cause nos des sous, recherches seront et des terminées. noyaux. Il y en a une, c'est 5 noyaux d'hélérium pour le faire, donc on oublie. Alors, nouvelle capacité pour Wolver, allumage, oui, c'est normal. Donc, je crois que c'est si. Oh merde! Oh, il va m'en vouloir. Parce que là, on vient de lui remettre ses compétences à neuf à Wolver pour. Parce que j'avais fait la boulette de lui mettre tir de couverture, je crois. Je crois que c'était cible mobile, hein. Ah, si je me gourre encore, je te renvoie direct rapprendre. Bon, je te mets cible mobile et puis on verra bien. Puis on te mettra un laser. Comme Eponite, on va te monter précision, je pense. Mais redis-moi ce que tu voudras, si jamais tu veux un mix. De toute façon, on verra ça au prochain passage de level, bien sûr. Alors, tac, donc ça c'est fait. Personne d'autre n'avait de respect à faire. Peut-être le tas d'un de ces quatre, on le respectera parce que il y a peut-être intimidation qui colle pas. Ou alors peut-être d'autres d'encaissement qu'il avait avant. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les compétences, ça pourrait s'optimiser, je pense. Alors, hop. Tout le monde se soigne, très bien. Nouvelle cible. Est-ce que c'est l'OVNI? Non, ce n'est pas l'OVNI et on a. Ah, dommage. Parce que là, je vois très faible, sans ressources, 31 de renseignement, mais 15 heures. Et 15 heures, c'est nul, hein. Ah, c'est dommage. Parce que si on envoie une équipe de 6 là sur 15 heures, ça va passer de très faible à quoi?
À élevé ou à moyenne? Je pense que ça va passer à élevé. À élevé, c'est trop dur de neutraliser un gars dans un véhicule. En fait, tout ce qui est avec véhicule, il faut savoir que tu vas combattre au moins trois quarts des potes présents. Donc, si tu prends vraiment un truc très dur, c'est l'horreur. Surtout en temps limité. On va l'ignorer. Ça aurait été 6 jours, 15 heures ou 7 jours, 8 jours. Oh, là, on l'aurait fait, mais immédiatement. Hein. Sans ressources, 31 renseignements. Dur, dur d'ignorer ça. Ah, et l'OVNI. On l'a pas vu passer. On n'a pas eu la mission qui nous disait il va y avoir un OVNI. Donc, l'OVNI peut arriver à n'importe quel moment. On va tout de suite. Commandant, notre reconnaissance à distance indique qu'un OVNI traque notre position. Ok. Nous devons redoubler de prudence en choisissant notre route. On va mettre un ingénieur. Alors, hop. Libérer la région. Expulser Advan de la région afin de sécuriser les résistances. Alors, objectif secondaire. Définir les priorités. Envoyer des troupes enquêter sur les indices. Renforcer la résistance. Trouver et détruire le centre névralgique régional. Ouais, donc c'est tout ça qu'il faut faire pour libérer. Construire la salle de décryptage en cours. Ok, c'est pas la même mission, hein. C'est bien, c'est au moins c'est expliqué. Je lirai ça en détail. Ce que je voulais faire, ah oui, gestion de la résistance, virer un des ingénieurs que l'on a ici. Par exemple en Asie de l'Ouest. Ou la puissance d'Advanta, bah c'est déjà Rambo qui est là-bas. D'ailleurs, les gens que j'ai oubliés dans des endroits, il faut que je les vire. Nouvelle-Inde. 11. Bon, on n'a peut-être pas besoin de l'ingénieur là. Et on va mettre quelqu'un en attendant. Ouais, pourquoi pas sergent? De toute façon, si on a besoin des gens, on peut toujours les retirer, hein. Mais je mets les plus hauts gradés disponibles. Voilà, donc à l'armurerie, hop, à la matrice de défense, je mets l'ingénieur. Et on va aller équiper un peu de matériel sur nos gens qui sont là-dedans. Alors, liste des soldats. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais il y a l'OVNI, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une équipe d'un certain nombre de personnes, mais il faut qu'ils aient leur matériel de prêt. Parce qu'ils arriveront sur la map en renfort, ou alors ils seront sur la map de base, alors qu'on n'aura pas préparé de team. Donc il faut qu'on ait les armes déjà sur les gens qui vont arriver. On va remettre le canon laser de bidule, on va l'équiper. Le couteau de combat, c'est le même. Blindage en céramique. Je crois pas qu'on ait accès aux plus gros vu qu'ils sont déjà sur les gens. J'avais bien équipé une team, hein, donc là, le matériel, on a vraiment ce qui reste. Medikit, ok. Et enfin, on va lui mettre une grenade. Une grenade, c'est bien. Voilà. L'important, c'est qu'il ait au moins l'armure. L'armure araignée sur bidule. Elle fait quoi alors? J'en vais regarder sur lui. Ça aura plus la classe. Non, L'armure c'est trop léger. araignée améliore les chances de nos hommes d'esquiver une attaque et permet de se déplacer avec agilité, en plus d'être équipée d'un grappin. Oh, regardez-moi la classe qu'il avait là quand il s'est mis à genoux. Bon, évidemment, ça lui va pas du tout. On va pas lui laisser. Mais je voulais voir les points de vie en fait que ça donnait. 1 de santé, 1 de mobilité, 10 d'esquive. Qu'esquive avec le nouveau système, c'est peut-être pas si génial. On va lui remettre son armure classique. On va améliorer son arme et on va quand même mettre l'armure sur un sniper. Donc c'est très bien sur un sniper, évidemment. Alors, son arme, c'est le Patator. Le Patator, on veut un. Un truc, un chargeur de la mort. Donc le plus gros chargeur qu'on puisse. Voilà. Cross, non. Viseur laser. 10% de plus en fonction de la proximité de la cible. Non, je crois pas qu'on ait besoin de tant que ça. Il nous faut le machin pour les tirs réflexes. Ah, mais on en a plus. Ah, bah, bravo. Eh ben, on va prendre. Je sais pas si tu prépares la crosse. Est-ce que si tu fais une suppression le tour d'après, ça dure tout le temps de la suppression le bonus? Parce qu'à ce moment-là, ça serait balèze, mais je suis vraiment pas sûr. Viseur laser. Lunettes silencieux. Alors silencieux, je suis pas sûr que ça soit utile.
juste pour l'OVNI, mais en fait, en général, ça l'est. Hein. Juste pour réduire un petit peu. Outre le fait que ça rend le flingue assez classe, plutôt qu'il soit tout rouge, le machin qui tourne. On va mettre un viseur laser avancé, on va faire du critique, et on va faire une crosse avancée, voilà. Je sais pas si ça marchera, mais on aura l'occasion de tester. Mais non, en fait, on n'aura pas l'occasion de tester parce qu'on verra pas la différence. À moins qu'il touche sans arrêt et qu'il crit sans arrêt en mode Overwatch, mais ça m'étonnerait. Enfin, en suppression. Alors, frisson. Elle a pas vraiment besoin d'équipement. Le seul équipement, faut qu'elle ait ce qu'il faut, c'est-à-dire elle a déjà son Gremlins, elle a déjà un Jag, voilà, très bien. Elle a le Medikit, tout va bien. Je regarde un peu Zul. Zul, il est un peu en slip là. Hein. C'est le cas de le dire. Équipement, est-ce qu'il a pas une arme un peu mieux que ça? Non. C'est son pompe, électroflux, il a quand même le Medikit. On va lui mettre un deuxième truc. Genre une céramique peut-être. Qu'il soit pas totalement en slip. Voilà, et on pourrait lui mettre l'arme araignée. Mais je pense que ça irait mieux sur un snipe pour les hauteurs. Il a salve. On devrait lui mettre une grenade aussi. Il l'a, ok. On va laisser comme ça. Oncle Bob, normalement il a son matos. Ah, il a pas l'arme. Oui, parce qu'on a fait vraiment deux grosses teams. Ok, Oncle Bob, il va se débrouiller comme ça. On va juste lui rajouter le matériel qu'il faut. En fait, juste qu'on ait le matériel minimum si jamais on doit y arriver. Mahou, Raphaël, je pense que les autres ont tout ce qu'il faut. Hein. Birdie, on n'a pas de sniper. Entraînement visé, éponite. Bambou, Kedrick, Zul, ah bah voilà, Wolfie qui est blessé, parce qu'ils vont prendre aussi les blessés. Hein. Donc équipement, on va voir si on peut lui mettre un meilleur fusil. Hop. Non, il n'y a pas d'autre fusil dispo, par contre, on peut lui mettre l'armure araignée, et on peut lui mettre une grenade flash par exemple. Voilà, alors on va modifier un peu le look par contre. Accessoire. Grappement, lanière de cuir, va-t'en. Les épaules. Truc à pic, non. Le torse, pareil, on va changer un peu. Hop. Et du coup, on peut changer les bras maintenant pour faire un truc plus complet. Alors en tissu à découvert, moi je pense que 0 c'est bien. Voilà. Hop. Et hop. Et ben on est bon, on va repasser du temps dehors. Ouais, on aura quelques gars qui pourront venir avec du matériel si jamais l'OVNI nous attaque. Et l'OVNI tourne là-bas. Alors, 95% d'infiltration, préparation de l'ennemi, protégé, expiration, ok. La menace est élevée. Détruire le relais extraterrestre, saboter les opérations d'Advent. Ok, l'escouade qu'on a envoyée. C'est une bonne grosse team avec du matos, hein. Si je ne m'abuse, je vais me faire confiance. On va soutenir l'infiltration quand même. 143% d'infiltration. Une évacuation demanderait 5 tours, hein, donc il faut qu'on réduise un peu ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Et on va lancer la mission. Je crois qu'on est bon. Bon, on va tout de suite voir si la difficulté est plus simple ou non. Avec du bon matériel, on n'aura plus l'excuse que c'est le matériel qui nous fait défaut. On aura aussi nettement plus d'options tactiques sur le terrain. Logiquement, ça devrait bien se passer. Hein. Après, on va aussi prendre plus de risques, vu qu'on va pouvoir se permettre plus de choses. Je reste toujours sur la limite maximum. Hein. C'est-à-dire que si jamais on a une mission avec 3 ennemis sur la carte, bah, je vais foncer comme un dératé. Si on a une mission avec 50 ennemis, je vais y aller hyper prudent. En fait, je m'adapte à l'ennemi. Je n'ai pas un style de jeu qui est toujours le même selon les ennemis. En fait,
Souvent, le style de jeu qui est toujours le même, c'est le style hyper prudent. C'est-à-dire que t'avances, qu'il n'y ait que 3 ennemis ou 50, tu joues hyper prudent tout le long, et t'y arrives. Mais c'est super, super chiant, en fait, comme style de jeu. Le mieux, c'est... Tu prends plus de risques, du coup, peux quand même prendre les mêmes blessures qu'une mission très difficile. Mais en général, tu vas aussi te poser énormément. Je fais ça dans tout, hein. Même à Blood Bowl, si je vois que mon adversaire est un petit peu moins fort, ben, je prends plus de risques, ou je fais le plus des trucs marrants, ou des trucs jolis, quoi. Voilà, et ça peut être frustrant parce que t'es toujours sur le fil du rasoir, finalement. Alors, hop, point dragon, paré, à en découdre. Alors, on va regarder un peu la team parce que ça fait un moment que j'avais pas joué. On a point dragon, ok. On a Cerbère. Notre Darkin, est-ce qu'il a son flingue? Non, je crois que je lui ai viré le flingue finalement, hein, parce qu'on voulait lui mettre le reste du matériel. Il a le stimulus, il a 4 soins médicaux à distance. Oui, oui, bon, la team est bien couverte par le médic. On a peintre, ok, Darko avec un fusil laser cette fois. Pour une fois, on l'a équipé. On a une belle position en hauteur. Bon, c'est dommage, la pancarte est du mauvais côté, mais ça pourrait être utile. L'objectif m'avait pas l'air si loin. Ah. Le problème, c'est qu'il y a une route en hauteur. On pourrait sniper l'objectif, je pense, assez aisément. Mais vous voyez, il y a un autre bâtiment qui est devant et qui va probablement empêcher ce genre de snipe. Et en plus, la fenêtre est pas bonne. Il faudrait plutôt tirer comme ça, mais c'est vraiment près. Donc on va devoir swarm le machin. Ça veut dire vraiment attaquer la cible. Vous vous souvenez de ce qui se passe quand on attaque, hein ? Ça commence les renforts, je crois, si je ne m'abuse. Parce que la dernière fois, on avait mis deux snipers loin. On tirait sur la cible alors qu'on voyait personne. Du coup, on faisait un carton. Et il y avait quand même les renforts qui étaient arrivés. On s'était fait repérer comme ça. Ok, alors on continue le tour. Neutron, qui a sa hache. Ok. Acier, qui a l'incendiaire. Et... Super flammeur qui a 4 tirs de lance-flamme, 2 tirs de délogé et une seule roquette. Ok, on n'a pas beaucoup de perce armure. Bon, on a le TAD avec le fusil à clous. On va devoir faire avec. Et en perce armure, bah, on n'a rien d'autre. On a quand même Nikolai qui peut geôlier. Ok, on va envoyer Nikolai au lourd. Je rejoins la position. Alors, ouais, prendre sur le côté, ça peut être une option. Même si c'est très proche de l'objectif, c'est pas forcément proche de l'ennemi. Je vais avancer Nikolai petit à petit, de lourd en lourd. Affirmatif. Jusqu'à ce qu'il se fasse cramer. Ou qu'il voit quelque chose. Ok. Du coup, ça permet carrément de faire des longs mouvements derrière. Donc, à côté. Peintre. Bah, peintre, on va essayer de le mettre quand même sur une hauteur. Je devrais le mettre là. Donc, j'ai bien le mouvement de le mettre à l'endroit où je veux, derrière. Pas gaffe aux civils, hein. Ok. Là, les copains. Deux secto, un Goliath. Neutron. Bah, Neutron, on pourrait carrément s'avancer là. Est-ce qu'on pourrait pas se faire cramer si je vais là? Parce que s'ils avancent en diagonale comme ça, mais ils vont probablement... passer là, vous voyez. Et là, on voit que lui. Lui voit jusqu'ici. Donc, ça veut dire que s'ils doivent passer derrière ce fauteuil, ils vont perdre tout ça de mouvement et aller comme ça. C'est possible qu'ils nous crament pas si je me mets là. Ou alors, on joue prudent. On garde que le double léger. Mais on n'a pas le... à couvert. Vous voyez, on a... là, c'est vraiment bien. Là-haut, c'est pas mal aussi, mais... c'est encore plus à découvert. On pourrait simplement le mettre là. Là, c'est une case plus loin. En fait, il y a encore moins de chances de se faire repérer là. Pourquoi? Parce que si on est ici et qu'ils viennent ici, entre les fauteuils, en fait, ils nous voient. Alors que si on est là, ils nous voient pas à cause de ça. C'est bizarre, mais je crois que là, c'est plus safe. Et très agressif, quand même. Hein. Mais c'est ce qu'on veut, être hyper proche de l'ennemi quand le combat commence. En même temps, c'est notre shinobi. On n'est pas obligé de le décloque trop vite. Peut-être qu'on devrait simplement l'envoyer en éclaireur ailleurs, genre là. Bon, en même temps, ce que j'aime avec le shinobi, c'est que si je le mets là, par exemple, et qu'un ennemi prend couvert derrière sur l'angle, bah, on pourra faire des trucs d'escrime gratuitement, quoi. Et ça marche assez bien, finalement.
Non, je crois qu'on va le tenter. On va tenter ce mouvement-là. Ouais, allez. Tant pis, si il se fait cramer, ce sera la guerre. Mais c'est pas grave. Du coup, vu qu'il y a une petite chance qu'il se fasse cramer, on va quand même préparer des Overwatch. On va mettre Billy, par exemple, là, en Overwatch. Bien que Billy, ce soit pas le meilleur Overwatch du monde. Hein. C'est un pompe. C'est un diffuseur. Oh, il a un diffuseur. Oui, parce qu'il y a des gens que j'ai utilisés tout le long sans arme spéciale. Hein. Donc, le fait qu'ils en aient maintenant, ça va changer aussi pas mal la donne. Pink. On peut le mettre là. Là, c'est un bon couvert. Hein. Le problème, c'est que si jamais ça poule, ils vont se mettre ici. Et je crois que ça flanque. Vous voyez là, le couvert lourd parfait pour nous flanquer. Je trouve que ici c'est dangereux. Par contre, à l'intérieur, ça le serait pas. Donc si je me mets par exemple là, on pourrait ouvrir la porte et ensuite avoir 10 000 couverts lourds pour tout le monde. À l'intérieur, aux fenêtres, sur les côtés et tout. Je crois que ça peut être valable de tenter un grid comme ça. Moins que le Billy puisse y aller. Billy peut aller là. On pourrait run and gun, avancer, ouvrir la porte, se mettre à la fenêtre et tirer autour d'après, ou lancer une grenade. En fait, on a une option en se mettant là. Ok, je me dirige vers la cible. Quand même faire un petit overwatch, juste au cas où, même si ça va pas servir à grand chose. Je reste en observation. Et Pink, pour le moment, alors on le mettrait... Je me dirige vers les coordonnées. Et pareil en overwatch. Pink, c'est un pompe que t'as dans les mains là? Je suis pas en train de rêver. Non, c'est un laser, ok. Viser un pompe, c'est quand même pas pratique. Alors, notre TAD, il faut le mettre à un endroit sympathique, mais pas trop près, hein, parce qu'il se fait repérer, quoi qu'il arrive, si la zone rouge tombe sur lui. Là, en Overwatch, ce serait pas mal. Et on pourrait toujours avoir l'option du fusil à clou si un deuxième pote se pointe. Très solide le TAD. Tu le mets au centre en Overwatch avec la compétence d'encaissement et ça va pas mal. Après, le problème c'est qu'on a aucun contrôle sur les événements. C'est à dire que si l'ennemi touche trop facilement le TAD, il peut se faire tuer en vrai. Hein. Assez facilement parce qu'il n'est pas invincible. Ok, alors ils ont pas bougé? C'est un pod fixe. Ou alors c'est un pod qui n'a pas bougé ce tour et qui va bouger au prochain tour quand on s'y attendra plus. Si c'est un pod fixe, on peut complètement l'ignorer et continuer vers l'objectif. Parce que ça voudrait dire qu'on le poulera jamais. Enfin, s'il se déplace pas. Mais j'ai peur que ce genre de pod se déplace s'ils entendent du bruit. Donc peut-être qu'on devrait simplement l'ouvrir. Par exemple, peintre à 1,97% pour faire 6 à 10 avec 0% de chance de crit. Il est considéré comme couvert lourd. Non. Non. Pourquoi on n'a pas de 0% de chance de crit? Ouais, il doit être considéré comme couvert lourd d'une certaine manière. Sinon, je pourrais simplement aller là, le flank. Mais bon, on sait pas ce qu'il y a là-bas. Je préfère vraiment pas tenter le diable. Quitte à faire le combat dans ce sens-là. Hein. Parce que là, pour le moment, on avance plus ou moins avec un couvert dans ce sens. Mais on serait carrément mieux dans l'autre, hein, vu que le bord est derrière nous. Vous voyez ce que je veux dire. Par contre, on ne sait pas si on peut se faire flanquer. Donc en fait, on va pas utiliser le Shinobi en agressif. On va l'envoyer par là pour aller repérer d'autres gens. Et avoir une meilleure visuelle d'ici. Compris, j'y vais. Allez, montre-moi. Ça a l'air zen, hein. Ça a l'air vraiment zen du côté droit. Côté où il y a l'objectif, hein. Ah non, putain, il est loin. Ouais, ok. De toute façon, il y a une tour qui nous empêchera de rester cloak. Ok, tant qu'on déclenche pas, par contre, on n'a pas de renfort. Donc pour le moment, on va faire du déplacement. On va garder ce couvert dans ce sens, par contre. Ça m'embête s'ils se mettent à bouger et qu'ils nous crament, qu'on soit tous flanqués, quoi. Allez, soyons fous. On va tous déplacer notre couvert de ce côté. Ça veut dire derrière la voiture et ce genre de choses. Allez, on bouge. Pas génial. Nicolas, il faut qu'il soit devant parce que toutes les créatures qui attaquent au corps à corps, je veux que ça soit sur Nicolas. Darkin. Couvert léger. Et on va faire une ligne de soldats derrière. Là, on va faire vraiment du mouvement. Donc, Darko, en fait, sur le toit, c'est pas top là.
Si ça avait été un vrai sniper, je l'aurais laissé pour toute la bataille, évidemment. Mais là, c'est un ranger quand même. Donc, on descend. On abandonne le bâtiment. Et ça évite aussi qu'on se fasse prendre par surprise, par tout ce qui pourrait être derrière le bâtiment, en fait. Hop. Ah, dommage, trop court. On pourrait la laisser très proche, genre là. Mais j'aime pas trop par où elle passe, vous voyez. Ça a l'air dangereux quand même. Ou alors, on la laisse là ce tour. Non, on va aller au léger, voilà. Allez, on bouge. Hop, elle fait l'arrière-garde. Comme ça, Pink, on peut foncer. Ah, mais Pink aussi, c'est la lenteur absolue. Ok. Compris. 4 lance-flammes. Hein. Pain dragon. Ah oui, comment il va passer, lui? Ouf. Ok. On va l'envoyer vraiment sur le bord. Là, c'est violent parce que s'il y a un pote devant, non, je vais essayer de le laisser vers le centre. On va faire de boulette. Si le pote ne bouge vraiment pas à gauche, c'est génial. Si on se fait pas repérer là, c'est qu'il bouge pas. Ou alors qu'il est parti. Ouais, parce que s'il bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il y a des zones qui apparaissent au moment où je joue? Ah mais c'est à moi, pardon. Ok. Bon, ça a l'air good. On va pouvoir peut-être allumer le truc sans se faire repérer par un pod, hein, si je me mets là et que je le tire dessus. Par contre, faut qu'on aille vérifier qu'il n'y a rien là-bas. Donc le shinobi paraît le personnage approprié, même s'il a un mouvement de crabe. En fait, c'est quoi le plus dangereux? Qu'il y a un pod à droite ou qu'il y a un pod en face? Je pense qu'en face c'est plus dangereux. Parce qu'en fait, regardez, si on va à droite, on va se mettre à tirer sur le machin. S'il y a un pod, ils vont arriver et on va devoir se battre. Mais bon, le premier pod sur qui on va tomber, on va le massacrer. On est d'accord? Donc en fait, les pods qui vont nous gêner, c'est les pods qui vont apparaître trop loin et qui vont se mettre à nous tirer dessus à longue portée. Pas un pod sur lequel on tomberait qui serait bloqué dans un angle. Vous voyez là, c'est l'angle du bâtiment, donc il y a peu de chances qu'on le massacre pas. Je pense donc que c'est de ce côté-là qu'il faudra mettre le shinobi pour surveiller les potes qui pourraient arriver par là. Et si on arrive à se poser là, tirer sur l'objet en se décloquant mais sans attirer aucun pote, bah là on massacre l'objet et puis on évacue dans la foulée. Hein. Je veux dire, c'est mission gratuite hein, si jamais on fait ça. Après, moi, je pourrais le mettre simplement à la porte, comme ça on pourrait investir ce bâtiment si ça dégénère. Mais je pense que ce bâtiment c'est l'endroit où on risque d'avoir tous les ennemis qui sont dedans. On va faire ça. Préparer une défense de ce côté et voir. Alors, on ne voit personne. Ça fait un peu peur de voir personne. On va continuer à avancer. Bien compris, j'y vais. Mouvement ennemi par ici. Chut, on est super proche. Oh, il y a deux pods en plus. Ok, ça a l'air d'être des petits pods. Ah, celui-là est pénible. C'est quoi, c'est des najas ou des vipères? Je crois que c'était des vipères. Vipères bien plus pénibles que naja, mais naja, déjà c'est chiant. Hein. Ok. Notre shinobi est à la limite. Donc ici, ça pourrait être pas mal. À moins qu'on ouvre cache. C'est une option. Parce qu'en fait, là, notre shinobi voit l'objectif. On va pas prendre de sniper, j'ai été un peu beu quand même sur ce truc. Là c'est quoi? C'est un grenadier. On va aller à ce lourd. Je perds un mouvement. Mais si jamais on a une solution de tir, on pourrait presque rester là. Vous voyez, parce que je pense que si j'allume l'officier là, ça n'attirera pas le second pod. Mais notre shinobi, si j'allume l'officier, il est possible qu'un des deux, un de ce groupe, se déplace à côté. Sur une de ces deux, trois cases et le flanque. Par contre, s'ils sont à l'intérieur du bâtiment ou derrière le caddie, il est caché. Hein. S'ils sont à l'intérieur du bâtiment en couvert lourd, je peux même peut-être même des coups de katana. Ok, on va garder l'option, on va regarder un peu ce que les autres peuvent faire. Darkin, on va le laisser en retrait. Alors, bon, là, il y a évidemment une position géniale ici, mais. On se souvient qu'il y a un pod là. Donc, le mieux serait genre là. C'est proche. Ça sent la grenade, mais. Ok,
Je me dis les Advance, c'est pas un Goliath qu'on a repéré, donc je me dis, avec un peu de chance. On a un piratage possible sur la borne en face, ok. Bon, ça on va garder aussi. Oh non, je vais faire vigilance. Parce que si on ouvre, on veut qu'ils soient en vigilance, et si on n'ouvre pas, on veut pas pirater de toute façon. Dad. On va les coller, hein. Là, ça serait... Voilà, ce serait correct. Vous voyez, on est toujours dans une zone de... qui pourrait être dangereuse. Je le garde comme ça au cas où je vais y faire l'overdrive. On pourrait aussi overdrive, se mettre par là et puis faire un cône sur les deux au prochain tour. Enfin, je veux dire... au prochain tour, faire overdrive. Avancer là ensuite et boum. Et on toucherait même l'objet probablement. On ruinerait aussi optionnellement tous les murs qu'il y a devant, et à ce moment-là, on aurait peut-être une solution de tir avec tout le monde. Ouais, je pense qu'au prochain tour, ça sera bien ça. Alors, hop, on devrait aller là avec notre Billy the Kid. Mais en vrai, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit tout devant. Donc, ici va être l'option, ou là. Là, ça nous permettrait de garder un œil sur l'arrière. Billy n'est pas monté pour être combattant de mêlée, hein. C'est un commando tactique et qui a balle flèche. Et beaucoup de crit. Peut-être simplement là pour jouer la sécu. Ou alors encore plus sécuritaire derrière un lourd quelque part. Là c'est carrément un gâchis de mouvement. Non, je crois qu'on va aller au léger là. Allô. Je m'en occupe. La souris qui fait des siennes. Ok. Ensuite, bah peintre, du coup, full mouvement, lourd. Lui va couvrir vraiment si jamais on attire un nouveau pod. Et il aura de toute façon des tirs possibles. Hein. Donc du coup, avec notre bourrin de service, est-ce que eux, en s'en bougeant, ils pourraient sortir? Je pense pas qu'ils nous voient. Il y a pas moyen qu'ils nous voient de là. Ordre bien reçu. Et on va quand même scout à droite. Non, ça va, y a personne. Et enfin Pink, bah Pink, faut l'avancer à fond. C'est tout bon. Si on veut un jour utiliser toutes ces charges de lance-flammes, il faut qu'on y mette d'une autre. Ok, donc on attire le pod, on lance le... Ok, ah ils sont 5 quand même. Hein. Mais là ils sont en position géniale pour un clone. Hein. Ce qu'il faudrait c'est que les vipères viennent aussi. Si les vipères sortent, là on fait un beau... Ok. Bonjour, CEM bleu sur le toit. Par contre, les vipères sont parties. Ah, elles sont pas parties très loin. On peut faire un beau cône, hein. Je pense. Ah ouais, mais non. Le TAD peut pas passer discrètement. En fait, il pourrait aller jusque là. Faire un cône, en gros, comme ça. Et eux sont trop loin. Par contre, là, on a un visuel sur elle, ce qui est pas bon, hein. Parce que si c'est Yogi qui a le visuel, Yogi a le visuel sur la CEM et sur l'autre. Donc c'est pas lui. Ce serait Neutron. Neutron, c'est pas grave s'il a le visuel, vu que c'est notre Shinobi, il va pas se décloquer. Ouais, c'est lui qui a le visuel. Ok, si on recule Neutron, on a aucun risque de le décloquer. On pourrait ramener Neutron lourd là, lancer une hache ou un truc comme ça. Hein. Vous voyez, il a beau être Shinobi, ça reste quand même une position vraiment tendue pour lui. On peut se replier là, il serait pas repéré. Et commencer les hostilités sur ce groupe. C'est ce groupe qui est aussi le contrôleur de la CEM. On pourrait regarder le piratage sur la CEM. Bien que la CEM, vu l'endroit où elle est, si je la pirate, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais pouler le pod derrière et que je vais peut-être pouler le pod à gauche. Et là, là c'est trop tentant de démarrer. Hein. Même si on utilise le cône là, vous voyez, ils ont pas énormément de points de vie, ils ont pas de perce armure. Enfin d'armure, je veux dire. Donc c'est un peu dommage d'utiliser le perce armure, mais si on fait un cône en diagonale, on ouvre tout le bordel pour tirer sur l'objectif. Ce qui est quand même cool. Prendre ce couvert avec
pour aller au couvert lourd derrière la voiture, ou alors simplement là, une fois que les hostilités sont lancées. C'est chaud parce qu'en fait je sais pas vers où ils vont aller. Logiquement ils vont se replier dans le bâtiment, se cacher derrière ce truc, mais ils vont peut-être aller derrière ce véhicule, et à ce moment là le fusil à clou ferait plus rien. Ouais, il faut qu'on garde le shinobi, mais si jamais ils décident de foncer vers le shinobi, non, ça m'étonnerait, hein. Il n'y a pas de couvert avant longtemps, ça m'étonnerait qu'ils viennent jusqu'ici et qu'ils passent à côté du shinobi. Non, ça devrait être bon, je crois qu'on va ouvrir. Alors, Darkin, où il est très bien. On veut pas que notre dog soit en danger, mais je veux quand même voir s'il y a un piratage. Non, il n'y a pas de détraquage possible, on voit pas le méchant. Donc on devrait le mettre là plutôt. Tous les couverts de ce côté-là sont géniaux contre n'importe quoi plus tard, mais sont nuls si jamais l'ennemi vient ici. Bien que là, ça m'étonnerait qu'ils traversent pour aller se mettre en léger. Hein. Mais faut se méfier avec ces sergents-là, qui sont taquins des fois. Bon, je pense qu'on va, on va pas faire de contrôle sur la CEM bleue. Comment on va la gérer ? Deux tirs de laser plus un tir de diffuseur ou alors un truc comme ça ? On va aller regarder ses points de vie. Combien elle a de points de vie? Plein, hein. 1, 2, 3. Ah, je vais aller faire une pause, je vais réfléchir à l'action. Ok. Hop. Je me réinstalle. Désolé pour ça. Alors, oui, alors j'y ai réfléchi. J'ai supputé que ce groupe n'allait pas décloquer notre shinobi. Mais la CEM, elle va sûrement foncer comme une bourrique. Vous voyez, parce qu'elle est vraiment pas loin. Donc en fait, elle pourrait très bien avancer là, au moment du pull. Bien que des fois, les CEM s'en vont pour se mettre hors de portée. Mais de temps en temps, elles font simplement tout droit. Et je pense que notre shinobi, il faut qu'on le bouge en premier. Mais on va ouvrir ce tour, histoire d'y aller. Vu qu'on a l'avantage de pas déclencher le pod vipère. Et c'est possible que le pod vipère se déplace une nouvelle fois loin. Donc le shinobi, on va le garder, au cas où. Vraiment au cas où un ennemi se mette à portée chiante ou qu'on puisse lancer une hache ou quoi que ce soit. On aurait pu le mettre en vigilance, mais il faudrait qu'il se fasse cramer lui pour qu'il tire. En général, ça servirait pas. Yogi, il est en danger là-bas. Mais en première action, on peut mettre un protocole de soutien. Alors, en deuxième action, je pourrais mettre un Overwatch. Darkin aura forcément une cible d'Overwatch durant le combat. Le seul souci, c'est que c'est notre hacker et on aimerait pouvoir avoir une possibilité d'hacker la CEM. Mais pas la CEM à l'endroit où elle est, mais plutôt la CEM qui aurait dépassé ce point-là. Qui aurait même dépassé deux fois ce point-là. Parce que en mode dissimulation, on voit... Alors attendez que je fasse mes calculs dans ma tête. Non, non, c'est bon. C'est bon. Si elle dépasse ce point, normalement, la Viper devrait pas avoir le visuel sur elle. En gros, si elle cramait notre shinobi. Mais vous voyez, elle est pas loin de pouvoir la cramer dans tous les cas. Hein. Je l'ai mis là. C'est pas beaucoup plus loin, hein, finalement. Donc peut-être le contrôle. À moins qu'on focus le tir dessus et qu'on la démonte. Parce qu'elle a pas tant de points de vie que ça. En fait, c'est les deux d'armure. On peut facilement passer avec un coup de diffuseur, un coup de laser, par exemple. Même un coup de du TAD. Mais bon, on a tout ça à gérer aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas d'autres actions à faire. Allez, allez, soyons fous, je vais faire une vraie embuscade. Yogi, on va pas pouvoir l'utiliser en ouverture, à moins qu'il ait des grenades. Non. D'ailleurs, grenade, c'est pas trop ce qu'on a. Peintre, on peut le garder là. Il pourrait défendre l'arrière et en même temps, je pense qu'il aura des, il aura des tirs. Si elle était plus discrète, on aurait pu aller poser un cône plus proche, mais non. On peut le garder en réserve. Donc Pink, on pourrait tirer aux roquettes sur un groupe qui n'a pas d'armure. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Par contre, on peut tirer aux délogés, ce qui peut les faire brûler. Alors, on va regarder le délogé. Combien il porte? Ok, il faudrait qu'on avance au moins jusqu'au couvert de Yogi. Et Yogi, le problème, c'est qu'on peut pas le bouger. Ah ouais, c'est moche. On peut faire rideau de fer avec Yogi. On n'en touche qu'un. On
pourrait ouvrir comme ça, hein. C'est un peu violent. Je ne shred pas, Yogi. Hein. Pas un trou pour rien. Ah, est-ce que j'attends le prochain tour? J'ai mis le protocole et tout pour rien. Ah, probablement que je vais devoir attendre. C'est moche. Ah si, on pourrait la mettre là. Elle serait pas mal, mais dès qu'elle va être déclos, j'ai peur qu'elle attire l'autre pod. En fait, faudrait presque mieux aussi la faire courir par là-bas. Mais même où elle est, là, je me demande. Décloquer si ça attire pas quelque chose. On voit rien, mais je sais pas si la vision de l'ennemi est pas plus grande que la nôtre. Parce que des fois, ça donnait cette impression. Bon, dans tous les cas, si je me déplace vers l'avant avec elle, elle risque de se faire repérer. Ah putain, je vais attendre un tour. C'est moche, mais je crois que je vais devoir attendre un tour. Ouais, mais ils vont aller où, eux? Super risqué, hein. Bon, allez, c'est pas grave. On va mettre tout le monde en vigilance. On va bouger peintre, du coup. Je suis parti. En vigilance. Je suis dessus. Bah, le shinobi aussi, du coup. En vigilance. Bon, là, on va faire un pool. Un pool à l'ouverture. Enfin, à la détection. Je crois qu'il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, c'est assez safe quelque part. Ils auront quelques tirs, mais ça devrait être moins risqué que le reste. Par contre, Pink, faut vraiment qu'on prenne plus de risques. Là, ils sont allés de là. Non. De là. Ouais, de la ruelle à là. S'ils allaient en diagonale, ils seraient passés ici. Hein. Donc je vais considérer qu'ils avancent légèrement en diagonale vers là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des fortes chances qu'ils nous crament ici, en fait, en passant ici. Et qu'après, ils se mettent derrière les lourds là. Donc il faut que notre lance-roquette ou nos couverts soient là. Là, ça va, on a un protocole défensif, mais où elle est et où est Darko, c'est pas génial. Hein. Bon, en fait, même un léger là serait pas mal. Ah, ce qui est pas assez proche, j'aurais dû le mettre là. Et ici, complètement nul, hein. Cela dit, s'ils avancent pas vers nous, ils nous crament pas tout de suite là. Ils nous crameront que là, mais après on sera flanqué. Donc ouais, là c'est mieux. Affirmatif, j'y vais. Bon, ce qui m'embête c'est si je mets mon pool derrière nous, là ça va être l'horreur. Et enfin, de toute façon on va se faire cramer sur un côté de là ou là. Donc si je mets le TAD là, il nous cramera pas plus vite que les deux autres. Ah si, il nous cramera plus vite parce que il peut pas se cacher. C'est pas grave. On s'en fout. Il est au milieu de nos gars. Ah, ok, donc pas du tout par où je pensais. C'est pas grave. Pas grave, on est cramé là. Là, on est contourné. Par le sergent. Oh, et ils sont mis à bouger derrière nous. Il nous a pas cramé, j'ai l'impression. Ah, c'est le shinobi. Peut-être qu'il a pas la portée de vue, le sergent. Bon, par contre, notre TAD va probablement avoir le cône de sa vie, là. Là, on peut peut-être one-shot toutes les vipères. Regardez le TAD. Le TAD. Oh là là, le TAD. Regardez-moi ça. À une case près, il était cramé. Ok. Alors, on va regarder le fusil à clous. Parce que si jamais on n'a pas besoin de bouger, évidemment, ça nous fait un tir supplémentaire. On touche même le gars qui est là-haut. Non, on touche pas le gars qui est là-haut. À part si on tire sur le gars là-haut. Oh, mais on touche toutes les vipères. Et le codex. Et tous ces gens. Là, on touche le gars là-haut, mais... Non, non, ça vaut pas le coup. Hein. En bas, c'est nettement mieux. Et là, on touche tout le monde. On a même pas besoin de bouger. Donc, en fait, je vais faire l'overdrive. Je crois qu'on ouvre comme ça. Par contre, le pote qui est derrière nous... Alors, attendez. Si je peux éviter de pouler le pote derrière nous d'une certaine façon... C'est toi qui les vois derrière. Alien. Alien. Ah, alien. Ok. Donc, c'est un... Ouais, mais on peut pas bouger à cause d'eux. Ouais, donc on va devoir pouler tous les pods. Mein Gott, comment on va faire? En fait, je pense qu'on doit courir par là et se réorienter dans ce sens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on fait l'ouverture avec le TAD. On fait l'ouverture là, en espérant que ça tue tout le monde, même le codex en one shot. Et ensuite, on se décale couvert pour être couvert du côté gauche.
Et tout ce qui est de ce côté-là, on doit le massacrer. Notre shinobi va perdre sa furtivité aussi. Enfin, ça c'est triste, mais c'est pas grave. C'est pas un attaque de l'ombre. On va faire l'overdrive. On va se lancer. Hein. Il faut qu'on agisse maintenant. Et si on peut tout tuer en un tour, faut qu'on appelle le Mercure aussi, tout de suite. Au moment où on fait ça. Alors, tac, comme ça. Ok, on a fait un 11, 6, 10, 10, 9, 8, 8, 8. On a quasiment fait 40, 50, 60, 70. Pourquoi faut-il se cacher ? Ouais, on a dû faire dans les 70, 72. Ok, on a tué personne. On en a même pas one shot un, quoi. Si, on a bien un 11 quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait les plus petits dégâts sur les Advent. Et les plus gros sur les dégâts qui avaient plus de points de vie. Watch. Ok. D'accord. Bon. Je m'attendais à mieux, hein. Je vous avoue. On va peut-être finir le codex qui est en plein milieu. Alors attendez, avant d'utiliser toutes mes actions du TAD, j'aimerais voir. Ok. Là-bas, faudrait aller le tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Neutron qui ne déclenche pas les Overwatch. Peut-être pour virer l'Overwatch de la CVN. 95 sur le codex, waouh! À la hache. Hop, on attend. Puis c'est précision d'arme. Ok, on pourrait faire l'attaque gratuite pour virer le codex. Mais en même temps, on pourrait virer l'Overwatch. 85. Ce qui est pas mal aussi, hein. Si je vire cette Overwatch. Je peux aller slash le deuxième codex qui est à droite. Celui qui est au centre, je pense qu'on va le tuer à un moment donné avec un effet de zone ou quelque chose. Là, 85% de chance de virer. Parce qu'en fait, je réfléchis. On peut se déplacer, lacérer, la hache et lacérer. Ou se déplacer, lacérer, la hache et slash ailleurs. On peut le faire en deux fois, pas forcément d'ici. Mais oui, non, je pense que virer cet Overwatch sera pas perdu. Même si c'est qu'une écorchure à 1, ça fait le taf. Et on va aller tuer ça. On est près du but. Ok. Cible neutralisée. Là, on est pas mal. Ah, y a une galerie là-dessous. Oh non, 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 non. Ah, oh, Screamer, joli. Raté. Allez, rate. Il nous a raté aussi, ok. L'anime était un peu bizarre. Ça veut dire que s'il nous rattaque au tour d'après, il va reprendre un coup d'Escrimeur. Mais le problème, c'est qu'on veut pas être empoisonné ni rien. Hein, donc. Un peu gênant ça. Alors, est-ce qu'on peut pas faire un tir de lance-flamme? Je vois qu'ils ont tous 1-2 points de vie. Si on fait un délogé par exemple, ça serait pas mal. Par contre, ouais, il faut qu'on fasse un délogé dans ce sens. Mais elle aura jamais le mouvement. Elle aura jamais le mouvement. En diagonale, on pourrait le faire. On serait à couvert, mais on serait pas à couvert derrière nous de Goliath et compagnie. Ni sur le côté. On pourrait rentrer à l'intérieur. On va se mettre en double couvert. On pourrait tirer aux roquettes pour les trois là. Peut-être même les quatre. Hein, c'est risqué, hein. On pourrait prendre la place de Darko. Darko, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut flinguer le codex à 95. La CEM à 77, c'est pas mal. Acier. Ah, on pourrait faire un cône ici avec acier. Mais les cônes, c'est pas super efficace, hein. On pourrait lancer une incendiaire sur la chrysalis. Ah mais si on fait ça, non, attendez, on va être hyper dans la merde là. Ou alors je sacrifie un de mes persos pour qu'il prenne. Bon, le TAD il va essayer d'attirer l'attention, d'accord, mais. 69 sur le codex.
22 sur l'arc long. On va tirer avec avec Darko et voir si on peut entamer l'arc long. Parce que si on se débarrasse de l'arc long, on a quand même un gros problème en moins là. 77. On fait de 6 à 10. Hein. 2 d'armure, c'est du pipeau là. 6, ok. Ça a touché l'armure. Faudrait faire 9 ou 10 pour l'achever. Mais vu qu'on est verrouillé dessus maintenant, on a 97% de chance de toucher. On va le faire. On a 17 de crit aussi, optionnellement. Ok, ça c'est un beau tir. Sachant qu'il a pas de perce armure. Hein. C'est vraiment des dégâts purs là. Ok, Yogi il peut nous faire une suppression de zone sur Sta. Mais Sta il est tellement facile à tuer. Là on peut faire une suppression de zone qui toucherait pas la vipère. Oh c'est con, si elle avait pris la vipère je l'aurais fait. Mais la vipère va nous faire un coup de langue donc. Vous voyez ce que je veux dire. Être dans le jus. Lui aussi, il faudrait pas qu'il nous fasse un coup de langue vu où il est placé. Bon, d'un autre côté, on a rideau de fer. Est-ce que faire un point de dégâts au rideau de fer, ça tuerait pas tout le monde là? On peut toucher les trois. Je m'occupe d'eux. On va faire ça. On l'utilise pas souvent. On l'a écorché, ça l'a tué. Par contre, on a raté les autres. C'est pas grave, ça a au moins tué une cible, ce qu'on voulait. Hein. Au moins une cible. Alors, 24%, c'est nul. On va voir le piratage. Piratage du système en cours. ...89% de chance pour une petite cache de données. Liaison vidéo. Ok, alerte sur la carte. On n'a pas envie d'attirer s'il y a un quatrième pod. Ok. Par contre, je suis même pas sûr qu'il y ait un quatrième. Mais la petite cache de données, ce serait bien de le faire à la fin. Il faut qu'on appelle le Mercure. On a poulet, il faut qu'on appelle le Mercure. Avant de faire des bêtises. Alors, acier, voilà, tu vas nous appeler le Mercure. Je pense que de ce côté, c'est bien. Vous voyez, vu qu'on est proche de l'angle. Genre là-bas, par exemple. Comme ça, on décalerait tout le monde par là et on tuerait les... peut-être là simplement. Ouais, là c'est. Faites-moi évacuer! Là on a découvert de tous les côtés, faudra juste faire exploser le véhicule pour être en sécurité. Ici l'oiseau de feu, demande d'extraction confirmée, tenez bon! Ok, alors acier, on a un cône à faire. Donc on peut tuer ces gens-là avec le cône. Bien que un délogé ou un tir de lance-flamme sera peut-être plus efficace. Là on en touche 2, là on en touche 3. Oh, c'est tellement beau, mais. Ah, je crois qu'on va sacrifier Lucille. Ouais, c'est pas... Je suis en route. C'est moche, mais je crois que c'est le play le plus safe, genre un truc comme ça, en enflammé, ou alors comme ça qui toucherait les deux. Oh, les deux vipères, c'est bien. Hein. Est-ce que ça touche l'autre soldat? Oh. Ouais, parce que les vipères, les coups de langue, c'est super tendu, hein. Mais en même temps, si elles prennent pour coup de langue mon shinobi, il va te mettre des coups de katana. S'ils prennent mon coup de langue mon Nikolai, il va mettre des coups de couteau. Enfin, il y a quand même... C'est pas que du bonheur pour eux, hein, mais... Alors, pourquoi... Ça fait bizarre, hein, les... Comme c'est indiqué. J'ai l'impression qu'on pouvait toucher les trois tout à l'heure. Ah. Bon, déjà les deux vipères, c'est pas mal. Lance-flamme allumée. En fait, je tire plutôt sur la gauche parce qu'on est à couvert de tout cela, hein. De dégâts. Allez, brûlez. Brûlez, paniquez, faites quelque chose. Brûle pas, il panique pas. Magnifique. Bon, bah, c'était nul, hein. C'était vraiment nul. Cerber, on va aller en lourd. Tout de suite. Ah merde, ça flanquait pas. Bon, c'est pas grave. Bon, il a un couvert lourd. 32, 22, 22. On n'a pas de protocole. Bah, on va aller. Je crois que ça va être un cône ici. Ouais, j'y vais. On peut faire run and gun si la position convient pas. Ok, on peut toucher les 3 en cône.
Les trois ou pas? Ouais, on peut toucher les trois en cône. Sachant qu'il y en a un qui a couvert lourd et l'autre qui a couvert lourd. Et lui qui est flank. Ou alors sinon on touche que les deux là. Mais on a un flank sur la vipère avec un gros pourcentage de toucher. Je pense qu'il faut sécher la vipère. Bien que... Artilleur... C'est vrai que si on peut sécher les trois advents... Non, on tuera pas les trois. Hein. Ça touche rarement ce cône. Après, on peut simplement lancer une incendiaire derrière nous sur le sur la chrysalis. Bien que la chrysalis, je suis pas sûr qu'elle nous fasse beaucoup de dégâts. Elle va se prendre un coup de katana, déjà. Et l'idéal serait qu'elle contourne là, qu'elle se prenne un coup de katana, qu'elle aille taper sur Nikolai. Et se prenne un coup de couteau. Ah, ça n'arrivera pas. Non, on va tirer là. On va assurer Viper plus... Voilà, deux de moins... De là par contre. Ennemi neutralisé. Ouais. Sympa son diffuseur. Hein. Et il nous reste Pendragon qui reste de tir. Alors, sur quoi il peut tirer? 29. Sur l'artilleur. On peut le déplacer. Pour qu'il fasse peur aux gens. Vraiment le mettre au centre. Et le mettre en vigilance par exemple. Je vais là, est-ce que je le flanque? Non, mais si je vais là, je le flanque. Ouais, elle est flanquée là. Le grenadier. Parce que si jamais il a une grenade incendiaire, là je vois qu'il y a un petit bitonio. 80%, c'est pas mal. On pourrait flinguer l'objectif. Hein. 80%, c'était pas mal. La mort de cette unité change-t-elle quelque chose? Ah, peut-être. Si on allait se prendre une incendiaire, bah du coup on est bien. On va mettre Tarkin en vigilance vu que son tir est nul. Oh là là, mais il abuse avec ça. Oh, il y a un nouveau pod, ok. Ah, il nous a pas vu. Elle nous a pas vu, je sais pas comment elle a fait pour pas nous voir vu qu'on la voit. Waouh, tir de roquette comme ça cache. Il se déplace. Ouh, c'était violent ça. Tir de roquette qui a viré tous les couverts. On va se faire massacrer. Donc même si on avait été à couvert, de toute façon ça aurait rien changé. Bon, le fumigène n'a pas servi, c'est dommage. Parce que quand elle tire au lance-flamme, ça fait un fumigène autour d'elle. C'est pas grave, elle est pas morte. Hein. On va pouvoir la réveiller, la stimulus, et elle pourra même lancer un tir de lance-flamme. D'ailleurs, qui a pas fait brûler les cobras, donc ça c'est vraiment nul. L'escrime, 3 de dégâts, ok. Petit malus sur le caractère. Ok, on est empoisonné par contre, hein. On voit les petites pastilles sur le corps. Petite guerre. Et Overwatch. Joli Darkin. 4 de dégâts, c'est pas honteux sur du 3 d'armure. Hein. Ah, eux ils ont pris le délogé, mais ils ont rien pris du tout. Raté sur Nikolai alors qu'il a zéro défense. Ah si, il a fumigène. Et là... Ouais, là il s'acharne. Hein. Le tir de roquette en première action. C'était quoi qui nous a balancé le roquette? Artilleur. C'est lui là. Je pensais qu'ils avaient un lance-flamme. Mais ils ont un lance-roquette. Je me demande si on l'avait pas déjà vu d'ailleurs. Alors c'était les grenades. Tarkin, résiste. Je crois qu'il a résisté au contrôle mental. Oui, il a un bouclier psy, non? Parce qu'il était choqué. Pff, Nikolai qui évite. Je me fais tirer dessus. Waouh, je sais pas comment il a survécu à autant de tirs. Je vais finir carbonisé. Par contre, il brûle. Allez, le zombie. Le zombie, il faudra qu'il aille sur Nikolai. Il faut qu'on détruise l'objectif, mais en même temps, il y a tellement d'ennemis là en visuel. Alors on va aller, je crois que il n'y a pas un monde où je vais pas en lourd. Hein. Par contre il y a peut-être un monde où je stabilise avant d'aller en lourd. Je stabilise le copain, je vais là. Notre médic stimulus le copain. Le copain se soigne et se met à couvert. Nikolai se met à couvert. Et Darkin fait un soin sur Nikolai en dernière action par exemple. Ça nous fait 3 mouvements, 2 mouvements.
Deux mouvements. Ce qui fait que les trois auraient bougé, mais ils auraient rien fait comme tir. Dangereux, hein. Il faut qu'on élimine des gens. Zombie psy. Artilleur lourd à 52 avec Darko, ça me plaît, hein. Je vais le prendre. Ok. Pas de quoi s'exciter. On va toujours faire rigoler son truc. On pourrait tuer le zombie, hein. 6 de dégâts, on fait 6 au minimum. Ça nous éviterait un mal de tête, mais en même temps, 6-10 là, à 44. Non, je crois qu'on va prendre 44. Carrément rentable. À moins qu'on puisse l'avoir dans une zone. Parce que vous voyez, ils sont bien placés pour se prendre un lance-flamme. Un lance-flamme qui va être dur à mettre si jamais on réveille pas notre gars. Là, on est empoisonné poison sectoïde, mais on peut faire soin. Si je me soigne, je peux frapper après. Mais sinon, je peux frapper direct et le tuer. Je peux même le frapper qu'une fois et me soigner. Parce qu'on va contre-attaquer. Mais la contre-attaque, c'est vraiment... ça me fait peur, moi, ça. Sa capacité lacération. Mais c'est vrai que ça serait vraiment rentable de se soigner et puis de lacérer. Comme ça, au moins, on est sûr de gagner une action. Par contre, il y a option numéro 3. Flèche ailleurs. Non, ça, c'est nul. On a vu qu'il y avait un pod, là. Il y avait un archon. C'est pas un archon qu'on a vu, là. Et il y avait une chrysalis, là. Donc si on s'approche du truc, c'est foutu. D'ailleurs, l'endroit où on est avec notre shinobi, là, je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça. Parce que si jamais on se replie par là, on n'attire pas à notre pod, et on peut flinguer le truc avec le TAD, là, actuellement, où il est. Ah là là, c'est compliqué, ce jeu. Pourquoi ils font pas des jeux plus simples? c'est comme là. J'aimerais bien run and gun, et aller ruiner les gens qui sont à l'intérieur. Mais le souci, c'est que, pareil, c'est très risqué d'avancer. Quoique, si on va là, on peut lancer une incendiaire sur lui. Incendiaire sur l'officier, c'est une des meilleures utilisations de l'incendiaire qu'on peut rêver. Hein. Si on attire un pod. Oh, si on attire le pod. Oh là 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 là. C'est comme vous voudrez. Là, pareil, on attire le zombie aussi. Hein. Hey, fuck, fallait que le pod soit sur le toit. Vous pouvez pas être derrière, caché. Vous voyez comment il était posé, le pod. En fait, je me suis dit qu'en voyant l'archon là, que les autres étaient peut-être là derrière. Et non pas là sur l'escalier, à l'étage sur le toit et là sur l'escalier. Genre, espèce de gros tricheur. Alors, bon bah du coup, nouvelle cible pour l'incendiaire, ça peut être l'archon. Parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts cet incendiaire. De toute façon, on est à couvert lourd, hein, de tous les côtés de ce côté-là. Donc on s'en fout hein, de ce pod, finalement. Mais... c'est quand même pas cool. En plus, j'ai pas la portée pour l'envoyer où je voulais. Magnifique. Donc ça ne marche pas. On va l'envoyer sur l'archon. Sept de dégâts et qui brûle. Je crois que l'archon peut quand même frapper au corps à corps quand il brûle. Je crois que son attaque de base, c'est une attaque au corps à corps, justement. Cerber, alors est-ce qu'on fait un soin médical sur Yogi? Ou une stabilisation? Faut qu'on aille au lance-flamme. Hein. Je crois qu'on va stabiliser avec Nikolai. T'as rien cassé, ça va aller. En fait, l'inconvénient dans ce play, c'est qu'il faudrait presque qu'on ne soigne pas Nikolai. Qu'on aille juste au lourd. Si vous voyez ce que je veux dire. On se mette à l'abri, mais qu'on ne le soigne pas. Je dois pouvoir faire ça. Dans tous les cas, il va au lourd. Hein. Il n'y a pas un monde où il n'y va pas. Mais on va stimulus dans tous les cas. Si on stimulus pas Pink, elle est à l'abri. Parce qu'elle est par terre stabilisée. Mais on a absolument besoin de son lance-flamme. Mais son lance-flamme, ça veut dire qu'elle doit bouger, tirer. Donc elle pourra pas s'auto-soigner. Donc il fallait que je garde au moins Darkin pour lui remettre 5 points de vie. 5 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. 5, peut-être qu'on a 4 ou 5, ouais. Je sais plus exactement. Je pense que c'est 5 points de vie qui rend. On n'a pas encore développé la médecine qui va bien.
Cela dit, si elle tire au lance-flammes, même si elle est en couvert léger, elle aura la fumée encore. Et elle a pas de malus. De toute façon, les malus, elle s'en fiche. Après, elle peut se soigner, simplement. Et vous voyez, si je soigne Pink, je soigne pas Nikolai. Va filer un coup de main. Bim. Bon, bah, espérons que ça suffise. Devrait plus avoir de malus. Bam. Lui, on verra sur qui on tire. Parce que s'il lance flamme, ça passe bien. On aura peut-être pas besoin d'aller faire ça. Par contre, le lance flamme. Voir la portée. Trop light. J'avance là. J'y vais. Lance flamme ou roquette, hein, je veux dire indifféremment. Si le lance flamme marche, allô. Fait absolument rien. Le déloger. Ah, oh, c'est mort. Ok, bon, on va le rocket alors. Le rocket, j'ai bougé, hein. La dispersion va être horrible. Oh, c'est pas Ils grave. Vont rien comprendre. On va casser un peu. Voilà. On va casser un peu les couverts. Et j'ai plus un seul tireur, je crois. Hein. Si, on a Cerber. Ok, 91 sur le zombie, non, on s'en fout. 89 sur le soldat d'élite, 77 sur l'officier. L'officier, on peut ne pas le tuer. Le soldat, c'est important qu'on la batte. Ok. Vous êtes content? Ok. Bon, neutron du coup. On est toujours sur le problème de ce sectoïde. On va faire la lacération. On a perdu qu'un point de vie. On peut encaisser. Donc, je vais faire la lacération. Et on va jauger sur le résultat. Ok, vu qu'on a juste écorché, on va refaire une lacération. Les dégâts sont limités. Si on avait fait un dégât normal et qu'il lui restait 2 ou 3 points de vie, on aurait pu dire, allez, je tente le coup de samouraï. Mais si je fais une écorchure sur le coup de samouraï, je vais me reprendre un taquet. Alors que là, on peut simplement compter sur le fait qu'on refait une écorchure et qu'avec le coup de samouraï, on refera une écorchure encore. Et on se soignera après tous nos points de vie, après avoir pris un tic de poison. Donc lacération de nouveau. Voilà, re-écorchure. Et là, on a encore le coup de riposte. La cible est peut-être blessée. Ok, donc on peut tenter de le laisser au lieu d'envoyer Pain-Dragon le tuer. On peut tenter de laisser comme ça la situation. Pain-Dragon d'ailleurs, qui a un 58 sur le serpent vipère. On pourrait avancer et flinguer la vipère maintenant qu'on a poulé tout le multivers. Si je m'approche là, avec un peu de chance, l'Archon essaiera de me donner un coup au corps à corps. Le Tad est un des rares qui encaisse très très bien le corps à corps. Enfin, il l'encaisse pas, mais les chances de le toucher sont vraiment minimes. 60%. Oh, sur l'officier, 6 à 9, il a 9 points de vie. Non, j'ai oublié ça. 60% sur la vipère, 6 à 9, ça le tue. À moins qu'il évite, mais... voilà. Et il l'évite et ça fait une écorchure. Ah, quelle tristesse, l'annonce en plus. Je devrais le taire des fois. Le zombie qui va attaquer, ah ben, pas la cible qu'on veut, mais tant pis. Lui qui brûle. Bon, il doit quand même avoir des malus en brûlant. Hein. Il faut qu'on commence à tirer sur l'objectif un petit peu. Oh, on peut le contrôler pour réparer notre TAD. Ouais, on va le contrôler, c'est un tout petit. Vous voyez, il a que 2 points d'armure. Le Tad qui essaye toujours d'intimider ses cibles. Ça n'a jamais marché ce truc, c'est vraiment de la merde. Aïe. Je me sens pas très bien. Bon, ça c'est pas cool. En fait, c'est Nikolai qu'on aurait dû mettre là. Ok, l'Archon va au corps à corps, donc ça c'est pépère. Normalement, il devrait se rater. Ok, c'est très étonnant parce qu'il brûle. Et le Tad a sa défense en fait contre les attaques au corps à corps. C'est comme s'il avait un couvert, c'est un des rares cas qui a un couvert contre les attaques au corps à corps. Alors que les autres sont forcément flanqués au moment où ils se prennent une attaque au corps à corps. Mais bon, ça a passé que la céramique. Je crois qu'on l'a bien placé le Tad. J'espère juste qu'il va pas prendre trop cher. Ah, il a l'armure quand même, hein. Il a de l'armure. Si un jour il réussit une intimidation, on sera heureux.
Alors, attaque psy encore sur notre gars qui est immunisé au psy. C'est ça leur plan? Essayer de me psy à mort. Un gars qui veut pas l'être. Oh, suppression, ça c'est mesquin. Ok. Si on l'intimide et qu'on le fait paniquer alors qu'il vient de nous suppresser, c'est vraiment lui bouffer son action. Hein. Ah, évidemment. Ah là là. Ok, il a raté. Ils m'ont choisi. Bon, le TAD, il est en train d'attirer tout le monde. Hein. Ça, c'est cool, un hein. Super lance-flamme ici, si jamais on peut l'atteindre. Les screamers qui tiquent. Nickel chrome. Donc ça a marché, notre plan. Heureusement qu'on a fait les deux attaques d'escrime et on n'a pas soigné d'abord en prévision. Attaque au corps à corps du Goliath. Oh là 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 là. Oh là là. Coup de langue. Coup de langue raté. Ok, ça c'est cool. Normalement il devrait bouger pour se mettre à couvert. Au lieu de rester comme un blaireau en plein et me flinguer. Poison sur ses propres troupes. Il a empoisonné aussi notre gars, mais il a surtout empoisonné l'archon. Oh, ok, c'est un beau tour, ça. C'est un très beau tour pour nous, je m'attendais à un mort. Entre Yogi et Lucille. Mais du coup, il nous a mis deux victimes quand même. Oh là là, on a quand même pris un tir d'insectoïde à perpète. C'est pas fini, c'est pas fini. Faut pas que je brûle. Oh non, le trichor. Putain, s'il nous défonce Lucille avec les derniers tirs, on va être dégoûté. Hein. Vu qu'elle a survécu, là, c'est... Le lance-flamme, on en a besoin. Hein. Panique pas, panique pas. Qui a un medikit ? Ne panique pas. Parce que quand elle prend un type de poison, elle peut paniquer. Ok, tout va bien. Ok, on est bon. Là, on est vraiment bien. Alors, Darkin, il a trop de gens à soigner. Il peut détraquer quoi ? Le drone, ok. Donc ça, c'est tentant. On détraque le drone. Et on soigne un gars, ou alors on soigne deux fois. Peintre. Peintre, lui, il reste deux bastos, donc nickel chrome. Mais il a aussi le double taquet à 57%. Donc un tir et 57%, par exemple. Ou alors on fait deux tirs à 88 et puis il l'allume. On se dit, si je peux répartir l'amour, c'est pas mal aussi, hein, un tir à 73. Mais si on rate le double taquet... On va être un peu vert là. Ok, on va bien étudier la situation avant. Neutron. Est-ce que je rêve ou le poison chrysalis a disparu? J'ai l'impression que le poison a disparu, non? Parce que vous voyez, elle avait perdu un avec le poison après l'attaque. Et elle avait pris le poison, mais je l'ai pas soigné. Parce que normalement, elle devrait toujours être sous poison. Bon, après, on s'en fiche quelque part. L'important, c'est de gérer tous ces gens. Eux, allez, slash lui. C'est à couvert de l'eau. Ça, on peut le gérer autrement, le pâté au centre. Je pense que tirer la suppression de zone pourrait être très bien. Il y a tout un groupe ici aussi. Hein. Oh ouais, le shinobi de toute façon peut faire quoi d'autre? Il peut aller taper dans le tas, faire des trucs sur les zombies, non, on s'en fout. Hein. Ce qu'on veut, c'est soit tuer le secto là-bas. Ce qu'on peut pas faire, le Goliath on peut le tuer avec Darko, ouais je pense qu'on va aller là. Un peu risqué mais... C'est au cas où il y a un cinquième pod, ce serait l'horreur. Là, on perd l'équipe. Ici, on se débarrasse de lui. Cible liquidée. Mais quand même pas mal, hein. Voilà, on est bon là. Bon, acier est complètement dans la merde. Il lui faut un soin. C'est simple. Récupérer ses 3 points de vie, enlever le poison. Donc, en fait, faut qu'elle sorte de la zone de poison. Pour pas se refaire empoisonner instantanément. On est d'accord. Elle a le run and gun. Donc on peut faire un run and gun là. Garder la balle flèche.
pour n'importe quel tir après qu'elle ait été soignée du poison. Évidemment, pour avoir, pas avoir le malus. Donc elle, elle est plus ou moins safe. Yogi a un medikit, donc il peut aller dans la zone de poison à sa place. Où elle est là? Non, il faudrait le mettre à sa place. À la limite, je préfère avoir elle ici en balle flèche et Yogi là. Ouais, mais je suis pas sûr que Yogi... Si, il a un visuel sur lui, donc on pourrait faire un tir de suppression de zone ici, hein. Sur l'archon, la chrysalis et le soldat. Parce que le soldat va flanquer notre shinobi, hein. Faut pas oublier ça, quand même. Bien qu'on va essayer de le tuer avec le TAD, hein. C'est le plan. C'est faisable. Ok. Comme ça. Mais je viens de remarquer, on n'a pas les munes pour la suppression. C'est un échec total. Non, on va faire la suppression que sur le soldat. À moins qu'on ait un tir classique. 75% zombie, 57% drone, 51% la vipère. Ah, satané vipère qui a raté son coup de langue. Ok, on va attendre. On va juste run and gun. Le doigt sur la détente. On n'avait pas besoin de run and gun vu que j'ai bougé. Ah. Je fais que de la merde, hein. Pas grave. Allez, Darkin, il me faut un soin sur l'empoisonné. Oh, peut-être sur Yogi aussi. Hein. Alors, soin pour virer le poison. Il faudrait soigner Lucille aussi. On avait un beau lance-flamme là-bas, mais le problème c'est que Lucille n'aura jamais le mouvement pour faire un beau lance-flamme. Je me demande si on n'a pas meilleur temps de flammeriser là. Bon, le protocole de détraquage paraît bien, mais je crois qu'il va falloir laisser le drone éteindre notre CVM. On va soigner Pink. À moins que Pink puisse se soigner toute seule et tirer au lance-flamme dans la foulée. Elle a pas de soin, d'accord. Ok, ça règle le problème. On se contente le 73 sur le chrysalis. Allez, ça vaut le coup. 9 de dégâts, c'est très très bien. C'est son blindage qui a pris. Ce qui veut dire que je peux l'achever en tir classique à 95% maintenant. Ce qui veut dire pas de double canon dans le Goliath en face de nous. Ah, c'est tellement sexy de tenter le double canon. Parce que si on fait double canon gagnant là, ça règle tous nos problèmes d'un coup, hein. Mais bon, c'est du 57%. Mais même les dégâts, si je fais 11, ça passe pas, hein. Il faut vraiment que je fasse un truc genre 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 3, 15. Voilà, 15. Bon, c'est carrément faisable. Et au pire, si on rate, on peut quand même achever après, facilement. Allez, on va le tenter. Hein. On a 35% de chance de crit aussi. Et c'est raté. Allez, on se reprend. Ah, c'est con. C'est con, c'est... Bon, c'est pas grave. On va faire autre chose avec Yagi. On va tenter de tirer la vipère. Non, on va faire la suppression comme on a dit sur sur le soldat avancé. On empêche l'ennemi de bouger. Berber, on va faire le soin sur Lucille vu qu'on n'a pas eu le Goliath. Et acier, on va faire la balle flèche sur le drone. On va se garder l'option du drone. On va faire la balle flèche sur... sur le triplet. On l'a juste écorché. Oh, petit sérieux. Vous avez vu ça? Ah, on l'a eu. On l'a eu en écorchure. Ok. J'ai cru qu'on l'avait raté. On va se remettre dans, dans la fumée là. Et on va flammériser lui. On sera en léger toujours, mais... Aucun problème. Mais au moins le Goliath brûlera, il arrêtera de se pourchasser. Je vais les réduire ensemble. J'espère qu'il va brûler. Ah, il brûle. Il brûle, c'est bon. Et donc la fin. Eh ben
ben, on va pas aller tuer lui, du coup, vu qu'il est sous suppression. On va simplement se rapprocher pour peut-être flank un de ces deux-là. On peut aller là et le flank. Je pensais flank l'officier. Mais c'est vrai que la vipère, ça peut être bien aussi, hein. Regardez les pourcentages. C'est vraiment surpassé, n'est-ce pas? ...81% sur le gars qui a la suppression, non, on s'en fout. Vipère 66, 60 sur l'officier. L'officier, on lui met cher, mais je pense que... Rien que le 6% me donne envie de tirer sur la vipère. Alors, je sais pas combien j'ai fait, mais je pense que c'est un 61. J'aurais raté l'officier. Si, si, comment ça. Je trouve ça plutôt facile, moi. Les armes sont plasma. Vous savez que j'ai besoin de munitions. Ok, alors le zombie sur Nikolai. Alors lui brûle. Ah, lui sur Nikolai aussi. Tout le monde sur Nikolai. Ah, Nikolai il a 4 points de vie. Non, non, personne sur Nikolai. Tout le monde sur le shinobi. Ok, lui brûle. 3, donc ça prend pas l'armure, hein. On n'aurait jamais mis 3. Hop. Non, 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 faut pas toucher là. Sinon il vire la suppresse. Faut que d'abord que le soldat joue avant. Comment la suppression fonctionne. Et il va frapper. Évidemment. Notre commando. Ok, il s'est raté cette fois. Je me fais allumer. Faut pas que l'arc se fasse pareil. Hein. Merde, il y avait un autre soldat derrière. Ok, Overwatch. L'officier qui se planque du TAD et qui tire sur le TAD. Qui marque le TAD. Bon, on va replier le TAD, simplement. Bon, ça se passe bien. Il nous reste 2 tours avant extract, il faut qu'on allume l'objectif un peu. Hein. Bon, allumer l'objectif tant qu'il reste des ennemis. Ça reste quand même une option un peu tendue. Le son m'a l'air super fort, non? Vous me direz si c'est trop fort. Voilà, alors, parade. Parade, parade, parade. Parade, contre-attaque. Raté la contre-attaque, mais c'est pas grave. Normalement, on est toujours en suppresse. Le gars, d'une main, il pousse l'archon. Et de l'autre main, il continue la suppression avec son patator. Et tout le brûle. Par contre, il se dirigeait vers Darkin, là. C'est pas forcément cool. Ok, Darkin qui part de là. Parce que notre support, mine de rien, est la cible des sectoïdes de tout à l'heure. Oh, joli, la suppresse qui passe. Le problème, c'est que... Oh, et puis une petite... Oh, il a fui à côté du shinobi, mais la grossière erreur, quoi. Mais on n'a pas laissé de trou, vous voyez. Il était obligé de passer sur une diagonale du shinobi. Oh, c'est pas beau ça, regardez-moi ça, cet escrime et plus la suppression. Ok, donc ça nous fait un ennemi quand même qu'on n'a pas eu à gérer. Avec le TAD, on va juste recharger là pour le coup. On est marqué. Une petite minute. Est-ce que j'ai un tir facile? 72 sur le zombie, 66 sur le drone. 42 sur l'archon. Je pense qu'on va prendre le tir sur l'archon. Ou Overwatch. Donc on va le garder. Yogi. Enfin, je crois qu'on n'a plus de minute. Donc on va travailler au couteau, hein. Je crois pas que l'archon riposte. Si on tue l'archon au couteau, ben on a plus de soucis. Mais 56%, c'est pas top. Ah, lui, facile à tuer. Peintre. Il reste qu'une bastos à peintre. Ah, c'est con, le tir du shotgun. Vraiment bête. 89. 87 sur l'autre zombie psy. Le drone, on peut l'allumer. 57 sur l'archon. À la limite, je peux tirer sur l'archon. Ou alors, je peux me décaler. Aller en léger, soigner Lucille. Ce qui lui rendrait les 4 points de vie qui lui manquent. Est-ce qu'on en ferait Lucille aussi? C'est nul. Neutron. Peut s'auto-soigner, mais vous voyez, il a plus l'air d'être empoisonné, Chrysalis. Je croyais que c'était un poison permanent, le poison Chrysalis. C'est... Je me trompe, on peut lacérer. Si je mets le shinobi à côté de l'objet, on peut mettre 2 lacérations par tour.
avec 100% de toucher. Donc je crois que c'est vraiment pas une mauvaise idée de faire ça. Genre de commencer à le tabasser le machin. D'un autre côté, est-ce que t'as un tir? Ah, on a des trucs sympas comme ça aussi. Genre, on se prend pour un flingueur. Ouais, mais non, c'est nul. On va d'abord se débarrasser de cette situation pourrie là. 100%, non, on s'en fout du zombie. On s'en fout du drone. Ce qu'on veut, c'est flinguer l'arc. 76% avec 17% de crit. Je crois qu'on va prendre ça. Ou alors, couteau. Ouais, couteau, c'est mieux. Si j'en ai ici un coup de couteau, le shotgun sera assuré. Il brûle et il est empoisonné. Donc je me dis que s'il lui reste 2 points de vie, c'est bon, on le laisse. Mais il lui en reste plein. On va remettre un coup de couteau. Si ça touche, c'est bon. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faudrait qu'il brûle le 3 et qu'il prenne le 1 de poison. Ce qui est un peu light hein, quand même. Alors, détraquage sur le drone. Je vais considérer que le Goliath va continuer à brûler ce tour. Et qu'il va rien faire encore un tour. Si jamais il arrête de brûler, ben tant pis, on va prendre une grosse chiffre, mais... Extinction contrôle. On va prendre le contrôle pour réparer le TAD éventuellement. Est-ce que je peux prendre le contrôle et faire une autre action ou je suis obligé de faire une autre action avant? Bon, dans tous les cas, c'est là. Pas besoin de se presser. On va soigner quelqu'un d'abord. Soins médicaux, c'est le dernier qu'on ait. On va soigner Yogi, hein. Neutron, il peut se soigner. Pink, elle peut se faire soigner par quelqu'un d'autre. Ouais, on va soigner Yogi. Gremlin, soins médicaux. Ouais, le piratage, vous voyez, il était en bleu. On aurait pu aussi se faire simplement un protocole de soutien sur nous-mêmes pour nous protéger du machin au cas où. Mais je pense que ça devrait être bon. Et le contrôle à 89 est vraiment tentant là. Parce que ça nous fait un ennemi de moins, mais potentiellement une cible possible de plus pour les ennemis. Je pense pas qu'un ennemi prenne le drone pour cible, mais sait-on jamais. 4.4, allez, c'est bon. Ok. Pas très bon jet, hein. Mais ça passe. Si on avait réussi le double shotgun, vous imaginez comme ça serait nettement plus simple, on aurait juste 2 sectoïdes à gérer. On les gérerait même pas en fait. On flinguerait les zombies, on défoncerait l'objectif. Alors il reste peintre, il reste neutron, il reste acier. Acier. Si on avait notre run and gun, on aurait flingué le Goliath. Et je l'ai caché. En fait, le seul truc sympa qu'on peut faire, c'est tuer lui en se mettant à couvert. Si je m'éloigne du zombie, peut-être que le zombie va aller taper ailleurs. Non, on retourne pas dans le poison, Ike. Stop, arrête. Ah, et puis on peut pas aller derrière. On peut aller en couvert lourd là. On sera en couvert lourd contre les autres. Ouais, et puis on va commencer à taquiner les sectors. Ouais, j'y vais. Hop, on s'éloigne de l'archon et de l'objectif, mais c'est pas grave. On va commencer à 76, quoi. 76, 72. 76 sur le drone, 35 sur l'archon. Okay, je crois qu'on va flinguer le zombie quand même. Voilà, 10 de dégâts. Shot, on n'en parle plus. Je vous impressionne. Il faut que je recharge. Peintre, du coup, est super flanqué par le Goliath. Et pareil, on pourrait flinguer le zombie. On va essayer de tuer l'archon. Ok, au moins l'archon, on n'en parle plus non plus. Et voilà. Et on recharge. Allez. On va prendre une grenade. Je viens juste de réaliser, on va prendre la grenade du Goliath s'il brûle plus. Au lieu de se prendre une attaque au corps à corps. Donc il faudrait peut-être se mettre simplement en couvert lourd là. Ah, on se prend quand même la grenade. Ouais, on va aller là. D'accord, j'y vais. Neutron.
faut qu'on aille tuer l'officier. Oh. On se soigne. Faut qu'on tue lui aussi. Il y a un Overwatch. C'est pas génial, hein. Parce qu'on le tue pas, mais... On lui met quand même cher, allez. Si ça crit, c'est bon. Non, ça n'a pas crit. On a viré l'Overwatch. On peut bouger le TAT si on veut, mais vu que j'ai déjà rechargé avec le TAT, je crois que... C'est simplement on peut tirer. Il est sous contrôle. 37%, waouh. On va se mettre en vigilance. Si l'officier bouge, ça serait bien de l'abattre. Parce que l'officier, on l'a pas du tout géré là, finalement. On a complètement négligé l'officier. Ping par contre pourrait commencer à aller vers l'objectif aussi. On a encore du lance-flamme. On pourrait tenter de cramer l'huile, déloger. On pourrait aussi aller tuer les deux sectos. On n'a pas de renfort qui arrive encore de l'ennemi. Donc ça c'est plutôt étonnant. Je crois que je vais juste aller là. On va se prendre un tir de flank, c'est pas grave. Mais on va pouvoir faire déjà un tir sur l'objectif, je pense. Le tir de flank des sectoïdes, hein, s'ils nous voient. Donc c'est vraiment pas dit, mais... Oh, on a un beau 86 là-bas, c'est magnifique. On finit la menace à gauche. On n'a plus rien qui nous gêne, il reste deux sectoïdes et un archon qui brûle. Et l'officier qui va nous flank. Ah. Ouais, l'officier va nous faire mal, hein, si jamais il focus pas sur le tas. Lui, il continue à brûler ou pas? Alors, il a pris deux... Ne brûle plus. Ah fuck, on est mort. Le Goliath qui brûle plus, il va lancer soit la grenade, soit nous flanquer. Oh, patate. C'est le zombie qui a fait le tour du tal. 7, quand même. Je devrais pas pouvoir taper. C'est super confiant. Bah du coup maintenant si on prend une grenade, c'est mort. L'officier tire sur Lucille. Que j'ai laissé complètement flanquer. C'est pas très beau à voir. Mais qui encaisse. Ok. On va encore avoir des tonnes de blessés sur cette mission alors qu'on a le matos. Ok, c'est Larkin qui prend le tir. Ok, ça c'était moche. Bon, il avait plus de soins. Il tourne autour de moi. Donc maintenant on a 3 tours pour réussir à évacuer Darkin. Ce qui devrait le faire quand même. On devrait y arriver. On me prend pour cible. Si on arrive à tuer cette année Goliath. Ouais, je pensais vraiment qu'il allait brûler un tour de plus. Mais en fait, c'était pas la grenade incendiaire, c'était le lance-flamme de Lucie. Ah, petite panique, là, c'est pas cool non plus. Ouais, et vu qu'on a perdu Darkin, on a perdu le contrôle sur le drone. Hein. Je veux dire, vraiment pas cool du tout. Alors qu'on avait fini les ennemis. Bon, la zone d'extract est là. L'objectif est en visuel. Il faut qu'on y arrive, hein. Où il est ce con? Putain, je vais te choper. Je vais te choper. Ça, c'est un couvert lourd. C'est-à-dire que si je vais là, je le vois pas. Logiquement, je devrais le choper de là, mais en fait, on veut que le tas de tanks aussi, hein. Donc, on veut plutôt l'amener vers le centre. Ok, on va l'amener là. Comme c'est étrange. On va tirer sur le plus facile. Ah, c'est échec. Pas cool. Je vais manquer de munitions. Donc là on recharge. Bien chargé. 43 sur le Goliath. On peut pas le tuer. Faudrait qu'on fasse 9 ou 10. Ah, 43% de chance de toucher. Bon, on va le tenter. Tirer sur le drone, voilà. Déjà qu'on a gâché un tir du TAD. Et là, on tire une deuxième fois dans le vide. Magnifique. C'est un anonyme à côté, je vous parie. Ok, officier down. On vient de gâcher 4 attaques sur l'objectif pour avoir à gérer cet officier. Donc Lucille, défoncée. Il reste 2 points de vie. Donc
On peut même pas faire le plan qui était de la mettre près de l'objectif, mais je pense que sur la zone des vagues, on peut la mettre. On peut les vagues, hein. C'est quand même perdre du DPS. On peut aller là et tirer sur le robot. Voilà, charger avec Yogi. Surface de zone. On peut y aller. Tirer. Ah, on va jouer. Zombie down. Zombie qui nous a fait paniquer notre gars, hein, finalement, parce que les dégâts du zombie plus l'attaque psy plus la perte d'un allié, voilà, tout ça la volonté elle a pris, hein. Donc Lucille, on a des malus, hein. Combien on a pour tirer sur le drone? 96 quand même. Et on le tuera pas. Alors, si je m'avance là, je peux peut-être faire un lance-flamme sur le méchant. Ouais, quoique. Il y a une autre option, c'est faire un lance-flamme là-dessus pour que ça brûle et que ça fasse le bug qui détruit l'objectif. Parce que ça bug des fois et ça brûle simplement. Enfin, ça, c'est comme ça que j'ai perdu une mission de défense, moi. Donc je me dis que ça peut arriver en mission d'attaque. Sinon, je la mets simplement là. Ce sera en couvert lourd assez loin. Personne ne tirera dessus ici. Mais bon, elle serait aussi loin de l'objectif. Quoique, je pense qu'elle a le mouvement. Si de là, elle peut aller là... De là, est-ce qu'elle pourrait pas aller là-bas? Probablement que si, hein. Au pire, on pourra le faire en deux fois. Ouais. C'est parti! Tant qu'on n'a pas de renfort ici, ça m'inquiète pas trop là. Ce que je fais. Et qu'on n'ait pas eu de renfort, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ah, le drone, putain. On l'avait pris, Darkin était bien. Il suffisait qu'il tombe pas, quoi. D'ailleurs, je sais pas comment on va aller les chercher, hein. Maintenant que il squatte le corps et que je peux même pas lancer d'explosif dans le tas parce que il y a le corps au sol, contrôle mental, ok. Ok, bon, lui a peut-être fait une erreur là. Juste pour aller taquiner Nikolai. Nikolai en caisse, on va pouvoir l'évac s'il faut. Si jamais il revient de sa panique là, on peut peut-être aller lui mettre un coup de diffuseur. Ok, lui on va le slash, probablement. Pas de renfort, pas de renfort. Menace Insac, la transmission extraterrestre se poursuit et il nous reste 3 tours pour détruire l'objectif. Rejoignez ce relais et détruisez-le, vite. D'autres contacts sont en approche. Ok, pain dragon. Alors, on peut overdrive. On peut triple objectif avec l'overdrive, hein, aussi. Ah, mais je pense que l'overdrive, faut l'utiliser sur lui. Genre, j'overdrive à côté de lui et puis je le ruine, quoi. Ok, on va tenter un truc. Alors, Yogi. Yogi est défoncé, hein. On est d'accord. Il va pas nous être d'une grande utilité. On va le mettre sur la zone d'extract ici, voir s'il peut tirer sur l'objectif. Parce que c'est du 100% sur l'objectif. Et là, il est caché. 3 couverts lourds, ça fait un mur. On peut évac, mais on ne voit pas l'objectif. Ça, c'est vraiment nul. Et on peut quand même rideau de fer sur l'objectif. Alors, je sais pas si ça fonctionne. Saturation de la zone. Bon, ça se tentait. Donc c'est nul parce qu'on n'a pas d'objectif, on n'a pas de visuel. Donc on a meilleur temps d'évac. Et il y a des renforts en approche. Oh fuck. Oh là là, dommage. Un tour de plus et on aurait été bon. Ah, c'est mal goupillé sur la fin. C'est con, on y arrivait bien là. On a laissé un point de vie. Mais il est mort s'il bouge. Il y a toujours ça. On peut recharger gratuit ici. On n'est plus paniqué. On peut se mettre à côté et le flinguer. On peut aussi aller tuer le sectoïde qui contrôle notre pote. C'est comme vous voudrez. Hop. Flinguer ce petit salopio. On a 69% de chance de crit. Voilà. Hey, je me débrouille.
Donc là, je regrette de pas avoir le double shotgun, bien sûr. Parce que c'est le moment où on devrait l'utiliser vraiment à bout portant. Mais on a deux tirs possibles. On peut aussi aller stabiliser Darkin. Pink. Je suis pas sûr que ça prenne les dégâts comme ça. Donc, on peut... Flinguer ce truc, bouger, flinguer. On va plutôt bouger, flinguer. J'y vais. Hop. Flinguer l'objectif. Oh. Faut commencer, hein. 7 de dégâts, c'est très appréciable. Mais il en a plus qu'avant. Là, on l'aurait quasiment one shot dans l'ancienne version. Peintre. Alors, est-ce que d'ici il peut avoir. On peut voir le drone. 63% c'est pas honteux sur le Goliath. Hein. Parce qu'on est verrouillé dessus. Je crois qu'on va faire ce tir. Si on tue le Goliath, on peut tuer le drone derrière. Au prochain tour, on stabilise Darkin. Ou alors, je go stabiliser Darkin et on laisse le Goliath nous massacrer. Ouais, ça, dit comme ça, c'est pas cool. Hein. Oh, on l'a touché, putain. On le touche et qu'on le tue pas. Parce qu'on fait 7. C'est-à-dire 1 de plus, 2 de plus, c'était carrément faisable. Bon, c'est pas grave, on va en remettre un. Voilà. C'est pas grave, on a un pote qui débarque et on a un drone. On a 2 tours pour stabiliser Darkin et on a un medikit. Donc on peut y arriver, hein. On a plein de dragons qui a l'overdrive qui peut défoncer ce drone. On va overdrive. Parce qu'il nous faudra un overwatch. On va flinguer ce drone. 76. Ok. On va reflinguer le drone à 50. Non, on va recharger et Overwatch. Si vous voulez qu'il meure, je dois. L'Overwatch va s'utiliser sur. Sur autre chose. Sur le pote qui arrive. Je monte la garde. Yogi, c'est bon. Et ben, fin de tour. Ça va être vraiment tendu. 2 tours pour détruire l'objet, hein. Allez, bouge toi, faut qu'il court. Faut qu'il se déplace pour qu'il meure. Surprise, d'autres unités d'Advent. Ah là là, trop balèze. Si ça avait pas été si gros, ça aurait été bien. Là, c'est vraiment gros avec un Goliath en plus. Raté. Ah là là. Raté. Je vais te mettre en pièces. Il a l'air tout perdu ce drone. Allez, bouge. Bien. Bim, ça c'est fait. Petit écorcheur à 6. Ah, cette compétence est géniale. Mais notre shinobi, il faut qu'on l'amène près de l'objectif. C'est lui qui fait le plus de dégâts avec le TAD en triple attaque. Mais le triple attaque, on l'a déjà cramé là avec le TAD. Donc, Crac, quelle tristesse. Si, il a un tir sur l'objectif, Yogi. En fait, on peut flinguer l'objectif. Et s'extraire par exemple. 5. Et minimum. Ok. Pareil, Yogi pourrait mettre 2 coups de couteau avec la vibre-lame. Hein. Alors, Darko. Flank kill. Non, Darko faut qu'il sauve Darkin. Parce que personne d'autre n'a de medikit. Si Neutron a un medikit, mais il a pas le mouvement. Mais Neutron peut aller slash ailleurs. On peut slash lui. Lui, on lui fera rien. Et là, on se met à côté d'un Goliath. Waouh, ça m'a l'air tendu cette affaire. Ça m'a l'air super tendu. Bon, on a Lucille qui peut faire un lance-flamme. Ok. Au moins, on l'a tué. S'il bouge près de nous, il prendra un coup de hache, donc je me dis, sur un malentendu, ça peut peut-être achever si je le rate. Et vous voyez, on a un double flank sur lui aussi, hein, si on veut. 78-98, hein, par exemple. On peut tuer le Goliath. Et avec acier, on peut tuer lui. Avec acier, on peut aussi run and gun et défoncer le Goliath à bout portant. Je pense que c'est mieux.
J'ai porté le coup de grâce. Comme ça, et pas si jamais on le rate, on pourra toujours l'archiffer avec Darko. Mais là, ça veut dire qu'on perd Darkin, hein, si je fais ça. Balle flèche. On a 45% de chance de crit aussi, hein. Crit, ça peut faire jusqu'à 4 de dégâts, hein. 4 à 6. Donc les 3 points qui lui restent, si on fait même un peu moins que les dégâts max, on peut l'abattre. Après, option B, c'est faire simplement un étourdissement. Pour être sûr, mais bon. Ah, c'est tellement tentant la balle flèche. On n'a même pas besoin de la balle flèche, 71. On fait autant de dégâts sans la balle flèche, 45. 45, les mêmes critiques. Ouais, pas besoin d'utiliser la balle flèche. Donc on a les persas même. On l'a raté, c'est une blague. 70% raté. Bon, bah ça change tout le plan là. Hein. Du coup, ça sert à rien. On peut tuer lui, on pouvait achever le Goliath, ça, c'était valable, mais on sauvait pas Darkin. Du coup là, faut qu'on aille quand même le sauver, parce que... Foutu pour foutu, autant tenter, hein. J'espérais juste qu'ils vont faire de la merde. Bon, au moins stabiliser. Allez, tiens bon. Y'a pas d'autre renfort qui arrive. Mais vous voyez, le renfort qui arrive vraiment un tour trop tard, si on avait eu Bidule là, ça aurait été nettement plus simple pour nous, hein. Il nous reste qui? Il nous reste Cerber. Pourquoi il peut agir, Cerber? What? Cerber peut tirer sur le grenadier. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'il peut se réveiller comme ça? Est-ce qu'il a un stimulus sur lui? Vous croyez que c'est ça? Il peut tricher? Ah, s'il peut tricher, autant le mettre à couvert lourd. Hein. Autant le mettre à couvert lourd devant. Je suis en route! Ok. Est-ce que je peux continuer à tricher? Non, ça ne donne rien. Ok, c'était un bug. Non, c'était pas un bug. Il est bien là-bas. On va tirer sur le grenadier. Bon, apparemment, il est réveillé. Moi, j'en sais rien. Eh ouais! Envoyez des munitions! On en a tué un. Hein. Et avec Pink, bah du coup... Deux tours. On arrivera pas à détruire le truc si je tire pas dessus. Hein. Mais en même temps, si je laisse le Goliath comme ça, ça sent vraiment. On peut encaisser le coup. On peut encaisser le tir là. On peut pas l'encaisser là-bas. On peut difficilement l'encaisser avec Darko. Aussi, on peut quand même. Et avec le TAD, on est bon. Allez. Allez, on tire sur le truc. Jamais en 7 de dégâts, c'est vraiment pas rien. On a besoin d'essayer de le défoncer. Par contre, je vais pas évac parce qu'on tire sur l'objectif avec, mais normalement on devrait évac Yogi. Hein. Alors, Pain dragon, il faut qu'on recharge et qu'on tire, ou alors qu'on se déplace et qu'on tire. Si on se déplace là, on peut flinguer lui. Ouais, mais ça fera pas suffisamment de dégâts. Non, on va rester près du drone et. Qu'on l'avait contrôlé ce drone, il devrait être en train de bosser pour nous. C'est ma spécialité. Il va être temps de recharger. Ok. Eh ben, tout va se jouer là. Tout va se jouer là. Coup d'escrime, donc comme prévu. Ah, par contre, raté, ça c'est dommage. Alors, est-ce qu'il nous fait une attaque au corps à corps? Et une rate. C'est tout ce que tu sais faire? Ok. Ouais. Flanque sur. Ouais. Oh, cette chatte absolue. Ah, on a eu de la chance là. Là, les deux qui font de la merde. On n'a pas eu de renfort ennemi, hein, rassure-moi. Dis-moi qu'il n'y a pas de renfort. S'il n'y a pas de renfort, je peux commit complètement sur l'objectif. La transmission faiblit. Le transfert est presque terminé. C'est votre dernière chance de détruire ce relais. Bon alors, Yogi recharge et tire sur le relais. Ça va secouer. Avec
TAD plus heal, on a nos chances là. Hein. Parce que TAD peut faire vraiment vraiment mal. C'est du toucher auto, donc dégâts minimum. Mais il a beaucoup de points de vie, machin. Cerber. Alors Cerber, il est censé être là. Est-ce que je l'enverrai pas simplement à s'extraire, Cerber? Parce que là, c'est vraiment bizarre de la façon dont on le joue. Je me dis que peut-être que c'est un moyen de l'extraire et simplement arrêter de cheater. Parce que là, il est là en fait, hein. Il est ici. Et je sais pas pourquoi il s'est auto-stimulus. Aucune idée. Alors, Darko, 42 sur le centurion. 42 sur le soldat. Vaut peut-être mieux simplement aller en léger et le flinguer le soldat. On n'est pas aux pièces point de vue évac, hein. On est aux pièces point de vue destruction du machin. Neutron n'a pas le mouvement pour un slash. Ah, ça c'est con. Peut-être parce qu'il est blessé. Non, il est pas blessé. Par contre, on a deux slashes possibles sur. Ah ouais, mais les Goliaths ripostent, hein. Faut faire gaffe. Ils ont la même capacité que les. Que Nikolai. Et on peut aller là. On a la balle flèche, donc on peut aller là sans avoir de soucis, pour, juste pour voir si on atteint l'objectif. Et au pire, on fera une balle flèche dans le Goliath. On doit pouvoir faire ça. Ou on flanquera. Oui. Donc on peut tirer sur l'objectif. Ok, on va utiliser Lucille. Flinguer l'objectif et voir à combien on est. Donc le TAD peut l'achever là, je pense qu'il peut pas se rater. Je vais bientôt être un sec. Cerber. Cerber, on pourrait simplement rester où on est, faire un protocole défensif sur quelqu'un et pirater pour prendre le cadeau par exemple. Et j'ai l'impression d'un peu d'exploiter un bug, j'aime pas ça. Bon, d'un autre côté, s'ils codaient pas avec leurs pieds, hein, les concepteurs du jeu, ça n'arriverait pas. Et j'ai peur aussi que le bug nous fasse perdre la partie bêtement sur une connerie où on serait bloqué. Faudrait que je recommence absolument tout. Ça c'est le genre de truc qui peut corrompre vos vidéos. C'est des trucs bizarres, Darkin. Fait de la capoeira là. Alors, 26%, 22. Non, on va déplacer. On va déplacer Darkin. Non, pas Darkin, pourquoi? Ah, arrête de peindre, voilà. Donc là, on va faire. Cerveau est libre. 93, 50% de chance de crit. On peut l'abattre en un tir. Ah, on l'a pas abattu. On lui a mis cher quand même. Mais ça n'a pas suffi. Cerber. Du coup. Protocole. Bah, l'idéal serait sur acier. Hein. Et piratage. Je vais tenter le coup. Pour le cadeau. Faut jamais oublier les cadeaux quand on est en mission. Hein. Ok, on aurait même pu faire un gros truc. Okay. Donc là, si je tire avec le TAD sur le machin, on a gagné la mission. On a plus qu'à tuer deux gars. Mais le problème, c'est que si jamais je focus pas le TAD sur l'officier ou sur le Goliath, on a perdu la mission. Parce que plein dragon, je peux tuer lui. Lui, je peux tirer là, et après, peut-être finir au slash. Avec les ripostes et tout, on va dérouiller, mais on devrait pouvoir en toucher un des deux. Donc voilà. Mais ça veut dire pas faire ça. Sinon, c'est simplement mouvement là-bas, je laisse le soldat d'élite. Ah, c'est moche. Allez, on va envoyer le TAD de ce côté. Quoique, le TAD, il peut encaisser, alors que elle peut pas. Il fait combien de dégâts sur ce machin? 5 à 10, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On risque de le rater en plus, hein. Sale horreur. On peut pas tirer avec le pompe. Le pompe est bien, mais 5 à 10, ça le fait pas. Alors que le TAD fait du 6 à 9. Donc il rajoute 1 au dégâts minimum. Ce qui ne change rien en vrai. Parce que si tu augmentes de 1 le dégât minimum et tu réduis le 1 le maximum, le nombre de résultats est le même. C'est moche. Et en plus on doit se bouger là-bas.
Ouais, mais le 2 d'armure, ouais, ouais, ouais. Est-ce que le pont va le faire servir? Les grands espaces, le grand air. On est mieux sur le Goliath. On va prendre le tir. Ouais, ça c'est fait. Ordonnez-moi de recharger. Neutron, on la garde pour l'action finale. Parce que si jamais on one-shot par exemple avec la balle flèche, ce qui est, ça nous semble complètement absurde. Quoique, 33% de chance de le tuer net. Après, on a option numéro 3. L'option la moins risquée de toutes, on l'étourdit à 59. Ça vous rappelle le tir de double shotgun de tout à l'heure. On l'étourdit. Et comme ça, notre shinobi va simplement achever le soldat. Et on le tuera au tour d'après. C'est pas mieux. Ouais, mais encore faut-il réussir le 59. Oh là 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 là. Vous sentez encore le drame? On l'a raté tout à l'heure. J'allume mes lumières, je suis désolé. Commence à faire sombre. Alors, que je réfléchisse. Si je fais ça et que je me rate, on a encore les deux attaques du shinobi plus la riposte du shinobi. Ou alors, je compte sur le fait que le shinobi va one-shot le Goliath après que je l'ai touché avec la balle flèche. Il est quand même à 55. Ah non! Non, on se prend pas la tête, j'ai 59, voilà. Dors bien! Vu qu'on n'a pas plus de pourcentage au tir, il n'y a même pas d'hésitation. Si on avait eu 75%, 80%, ça, on aurait pu hésiter. Là, par exemple, on peut lui mettre même un coup de grâce. D'ailleurs, ça marche comment? 90% de chance de le tuer net. Non. C'est pas ça, quand même. Dites-moi dans le chat, c'est ça? Coup de grâce, là, je le tue net. Ching! C'est puissant si c'est ça. Alors, non, on est trop loin. Vous voyez, si on avait eu le mouvement bleu pour le slash, j'aurais donné un coup de lacération d'abord. Mais là, pour le coup, vu qu'il est stun, on va simplement aller tuer lui. Ok, on lui a mis 12. On n'a pas un truc quand on tue? Il faudrait un truc quand on tue, quand on est un mouvement. Ce serait super pratique. Yogi, il peut rien faire. Bah, fin de tour. On a réussi la mission, on a juste à évacuer. Le Goliath est stun. Un dragon. Bah, pareil à en découdre. On n'a pas de renfort en approche, donc on peut se permettre de recharger. Je recharge. Et de tenter un tir. Complètement raté, ok. Je sais reconnaître mes erreurs. Cerber, on bat les vacs. Ça me fait peur. D'accord. Le drone apparemment le transporte à la sortie, on va dire ça, hein. Et... Je suis pas sûr qu'il y soit, hein. Je sens que ça va être buggé et qu'on va pas pouvoir évacuer notre gars. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Pourquoi ai-je l'impression que je vais pas réussir à tuer ce centurion? On va lui faire un allumage. J'aime pas ça du tout. Faut pas non plus que je prenne trop de temps, parce que s'il y a de nouveaux renforts, on peut quand même se faire tuer si on est trop loin. Il y a Darko là qui est pas super rapide. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée de... Alors Cerber peut évacuer. Je reste pas dans cet enfer. Ok, il est plus là. Je me dis que c'est bon. Alors lui, avec sa balle flèche, normalement 55. Ah mais c'est parce qu'il est tout blessé qu'il a open malus. C'est pas du tout lié au, à autre chose. Ok, et bon, on va se déplacer de 1, essayer de tirer si on a un visuel, ça m'étonnerait. Sinon on les back. Ouais, on le voit pas. Okay. On va les back. Nicolas, on va se déplacer, tirer et back. Je reste pas dans le coin. Oh là là, tout le monde est blessé, hein, mais c'est l'horreur. Ouais, mais la mission s'est passée assez simplement, mais il y a eu quand même des petits débordements, genre multipool et tout ça, comme on fait d'habitude. Pas de soins, juste un tir, voilà. Allez hop. Ok, on a touché enfin. Les pourcentages sont pas top, hein. Mais tout le monde est dans un sale état. Cible coriace, dégâts nuls. Hop. On y va. Acier, ben. Je pense que le mieux c'est d'aller sur la zone des vagues et tirer et se barrer. C'est faisable. Quand même la balle flèche à lancer.
Ah, le flank est quand même un flank, hein. Vous avez voilà. Vu ça ? 8 de dégâts, tout va bien. Et on évacue parce qu'on est dans un sale état. Ne reste pas dans cet enfer. Bon, il y a chirurgien de terrain, j'espère que ça marche. J'espère qu'il faut pas que ça soit soigné par un Medikit, bien sûr. Il nous reste qui ? Il nous reste le shinobi, il n'y a plus d'ennemis. Et on a un soin avec le shinobi. Et on a Darko qui est intact. Et les autres, je les ai déjà évacués. C'est con, j'aurais dû utiliser son Medikit. On va le mettre là. Monsieur, je bouge. Et on va se soigner tout seul. En espérant que ça aide un petit peu pour les soins. Respire un coup, tout va bien. Et on sait jamais, le poison chrysalis, c'est vrai que ça m'a pas perturbé. J'avais l'impression que dans XCOM 2, quand t'étais empoisonné par un poison chrysalis, soit ça durait 4-5 tours, ce qui était horrible, soit ça ne s'enlevait pas en fait. J'avais vraiment l'impression que ça ne s'enlevait pas. Alors, on va mettre le tas en Overwatch. Bon, ça sert à rien, on est d'accord. Enfin, on va le mettre là. Mais on va attendre, parce que... peintre... Ah bah non. Je dis de la merde. Allez, allez, allez avant. Ah oui, parce que ça a passé le tour auto. Ok, autant pour moi. Oui, bon, on se barre alors. Je bouge. Ouais, il n'y a pas de renfort. Hein. Eh bah, c'est gagné. Allez, hop. Oh, c'était chaud quand même. Putain, on a mis du bon matos. C'est gentil de venir me chercher. Bon, cela dit, la mission est dure elle-même. Hein. L'objectif est pas hyper évident. Pas de renfort. Donc il n'y a qu'un seul renfort apparemment sur cette mission, hein, comme on peut le voir. Et hop. Évacuation bon. Confirmée. Rondement mené. On va voir qu'est-ce qu'on gagne à la fin. 4 blessés. Ça, si je ne me trompe. 5 blessés. Menace niveau excellent. 27 ennemis. Bon, accompli. Quand même, hein. Je veux dire, les pods m'avaient pas l'air super impressionnants, mais vous voyez les petits chrysalis qui sont venus nous embêter contre truc. Alors là, on peut donner une médaille spéciale à notre shinobi. Parce que sérieusement, vous avez vu le boulot qu'il a abattu? Il a attiré les chrysalis, il a slash tué slash un gars qui passait à côté de lui. Il a slash un gars là-bas, il a slash le secto a bougé, il l'a slash en retour, il est revenu là, il a slash tout le monde. Non mais ça a été l'horreur suprême. Donc ouais, spéciale recommandation pour Nateko. Pour ce coup là, il a fait un carnage. Hein. Bon, faut dire aussi qu'il a une arme qui est vachement bien, la hache. Et vous voyez, même l'utilisation de la hache vachement tôt dans la partie pour virer simplement un Overwatch, ça pouvait sentir le gâchis quand même. Hein. Moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, mince, gâcher ma hache comme ça, c'est nul. Mais d'un autre côté, ça a quand même bien payé finalement. Hein. Parce que cet Overwatch avec la CEM aurait pu être chiant. Sur un toucher, une petite blessure, ça aurait changé toute la donne de la partie. Bon, par contre, le bug avec Darkin, alors... ça aurait pas changé tant que ça les choses. Ça aurait fait que Darko aurait transporté le corps. Donc probablement qu'on aurait eu un tir de moins. On aurait peut-être eu plus de mal à tuer le comment ça s'appelle, l'officier. Mais en fait l'officier finalement, vu qu'on a utilisé le stun sur le Goliath, on l'aurait eu quand même. On l'aurait slash. Et après il aurait peut-être bougé et on l'aurait tué peut-être à la riposte. Ou alors on l'aurait one shot au slash déjà à la base vu qu'on a fait un critique à rouge. Donc vous voyez, ça aurait pas changé beaucoup la donne. Ouais, bon, évidemment, il pouvait y avoir d'autres jet day, mais dans l'absolu, voilà. On peut se dire que c'était pas un bug tellement gênant que ça. Il y a des bugs vachement plus chiants qui vous pourrissent une partie. Genre un bug qui fait que tu peux pas t'évac. Du coup, t'es obligé d'abandonner la mission. Et tous les gens qui sont bloqués, en fait, qui sont pas sur la zone d'extract, bah tu les perds. Du coup, t'abandonnes la mission parce que t'es obligé, c'est un peu les boules, quoi, hein, ce genre de bug. Heureusement, on en a pas eu, nous, hein, pour le moment, donc... Mais je les ai vus, ces bugs, hein, sur d'autres personnes qui jouent. Alors, c'est un peu long, là. Bon, je suis content parce qu'on a quand même fait une mission vachement intéressante, et on s'en sort sans mort. Donc je me dis que si on équipe bien nos gars, on peut s'en sortir. Vous voyez, là, c'était pas... L'opposition était correcte, mais c'était pas très très dur. Boulette encore, hein. Mais c'est un moment que j'avais pas joué, ça aide pas non plus. Darkin par exemple laissait sans penser que le gars va brûler qu'un tour de moins. Vous voyez, de 22 jours c'est de ma faute. Par contre, neutron, blessure légère, donc tout va bien. 5 missions, 19 tués.
Le TAD, 7 missions, 29 tués, hein, quand même. Y a pas... Il est pas en reste avec lui. 9 missions, 20 tués, vous voyez. Bon, évidemment, à chaque fois, on lui a fait prendre des blessures à The Kid. Mais bon, il s'en est bien sorti aussi. Son nouveau diffuseur était pas mal. Alors, il faut qu'on les équipe mieux comme ça, hein, c'est clair et net. Alors, capacité du TAD. Champ de canalisation. Une partie d'énergie est canalisée dans le canon automatique lourd avant d'être libéré sur votre prochain tir normal. Quand tu te fais tirer, chaque fois que vous êtes pris pour cible, une partie de l'énergie est canalisée dans votre canon. Automatique lourd avant d'être libéré dans votre prochain tir normal. Ça se cumule? Non. Lorsque l'overdrive... Alors... Merde. Boulette de démolition. Lorsque l'overdrive est activé, vous vous brisez les murs et les abris en vous déplaçant. C'est classe. Visez holo. Les tirs de votre arme, canon automatique lourd, réussi ou non, marquent la cible. Ce qui améliore la visée de l'escouade contre L de plus 10. Alors, je vais poser une question bête, mais... Ah non, c'est les tirs du canon. Mais si c'est les intimidations faisaient des visées holographiques en même temps, ça aurait été magnifique. Alors, je sais pas. Bah, comme tu veux. Les trois ont l'air un peu fun. Boulette démolition, ça m'a l'air le plus dangereux. Tu te déplaces, tu défonces tout sur le passage. Ouais... Je sais pas trop. Bien qu'on l'utilisera de manière adéquate si on le sait, hein, mais. Le truc, à chaque fois que vous êtes pris pour cible, une partie de l'énergie est canalisée dans votre canon. Ça c'est bien parce que. T'as déjà intimidation et t'as déjà attention accrue. Donc en gros, on joue beaucoup en passif avec la vigilance pour te mettre le plus un d'armure. Donc finalement, ça ferait que rajouter un effet qui se fera automatiquement pour augmenter tes dégâts. C'est pas mal. Par contre, la visée holo pour l'équipe, c'est bien aussi, hein. Je veux dire. Rien à craindre. Et en plus, visée holo, ce qui peut être fun, c'est qu'on pourra changer un peu la méthode d'utilisation de l'overdrive. Avec 3 munitions chargées dans ton flingue, on peut tirer sur 3 cibles et poser 3 visées holographiques, par exemple. Même si on touche pas, on s'en fout, en fait. Le but étant de poser des visées. Mais ça n'arrivera quand même pas souvent. Et vu que t'as pas des milliers de tirs, visée holo, voilà, bon, ça se pose là, mais... En général, quand tu tires sur quelque chose, il reste pas longtemps en vie, hein. Boulette démolition, c'est marrant. Ouais, je te laisse choisir, de toute façon, c'est toi qui décide. Billy the Kid, alors. Balle flèche, qui est toujours très bien, même si on n'a pas l'occasion vraiment de l'utiliser en ce moment. Mais quand on tombera sur une autre Andromède, le 4 de performure avec un diffuseur, ça va vraiment changer la donne. Arme de tranchée, c'est génial. Instinct du tueur, c'est bien. Alors, c'est quoi ça? Le rechargement de course et tir est réduit d'un tour. Donc ça, c'est génial parce que t'as instinct du tueur. Agressivité, gagner un 5 en chance de coup critique par ennemi que tu vois. Ça va très bien avec notre concept, hein. Formidable. Porter une couche de protection supplémentaire. Je crois pas que ça soit utile, la protec. Tu t'encaisses pas, mais le rechargement supplémentaire va avec instinct du tueur, qui rajoute 50% de chance de critique. Donc t'as pas vraiment besoin de l'agressivité, vu que tu as le run and gun qui revient souvent. Je pense que c'est ça, le plan pour faire vraiment combo. Hop, et bah la folle, 23 jours, allez, Faust. Cerveau de codex, renseignement. On a gratté un petit peu des points de renseignement. Et bah voilà, c'était une mission rondement menée, un peu longue, mais on s'en sort bien. On va stopper là, merci d'avoir suivi, et à bientôt.